この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bien bonsoir, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show, votre émission actualité manga animé et Japon. J'espère que vous allez bien, on a eu un week-end chargé, il y a eu Paris manga et on va en parler aujourd'hui du coup. Euh, je ne suis pas seul, euh, je suis avec la team, pas au complet, comme vous l'avez vu, on a Black KV, du coup, avec nous. Comment vas-tu Ça va très bien, une très très bonne semaine. Euh... Reposé, toi, j'étais ah rentré à la mais maison, à Lyon, mais surtout Eternals cette semaine. Ah, on va peut-être en parler tout à l'heure. Il y a pas une news en rapport avec Eternals. Ah ouais. Et si tu veux, tu donneras ton avis sur le, sur le canon. Même moi, je l'ai vu. Et je pense que a vu. Pas... De... J'ai pas encore vu. Mister Dragon, bien sûr. Comment vas-tu Ah, Ça va bien. J'ai eu que 20 minutes de retard avec le, la va. TGV. Ça va, ça va. C'est incroyable. Mais la qui nous salue depuis Gvela, les toilettes. là qui est un peu malade. là qui va être en duplex depuis les toilettes de chez lui. Zéla est un peu malade, vous l'aurez deviné, mais on pense fort à lui. Évidemment, vous avez passé une bonne semaine. Mon catch tu m'as dit que c'était bien. Dorian. Ouais, globalement, ça va. J'ai vu de la famille. C'est. Je fais mon taf, c'est tout. Est... On est posé, c'est bien, tranquille. C'est nickel. Moi, je passe une bonne semaine et. Vous l'entendrez, hein, j'ai plus beaucoup de, de cordial là, <laughs> j'ai trop crié euh, à Paris Manga et on, on en reparlera aussi euh, tout à l'heure. Du coup, je vais vous, pré vous présenter rapidement le sommaire de la semaine. À commencer par les news de la semaine, évidemment. On va parler du coup de Paris Manga 2021. On va parler de Bleach, Bleach, la fait Festa et peut-être une semaine et peut-être même d'autres choses encore. On va en parler. On va parler aussi de la suite de The Seven Deadly Sins Nanatsu no Taizai en animé. OMG, est-ce que c'est déjà le l'heure d'arrivée, on va enchaîner avec la sélection nos mangas et animés de la semaine le dossier qui sera consacré à l'effervescence des collecteurs de mangas en France, je pense que vous les voyez les One Piece, les Shingeki no Kyojin les My Hero Academia, euh, les Ateliers du Sorcier, etc. etc. Il, y a trop, il y a beaucoup de collecteurs euh, de, de, de mangas en France on va parler de tout, de tout ça, des, des tenants et des aboutissants, ça va être très intéressant et on va finir avec le Game Center c'est la nouvelle rubrique de l'émission, vous commencez à la connaître et vous l'aimez d'ailleurs, on, on a beaucoup de retours très positifs dessus, je suis très content. C'est la partie un peu plus jeu, un peu plus détente dans l'émission. Et je pense qu'on a préparé un petit jeu euh, sympathique euh, pour, euh, pour aujourd'hui. Ça va être cool. On commence directement avec les news de la semaine. C'est parti, jingle. Les amis, il est temps euh, de parler de toute l'actualité de la semaine. On en avait parlé la semaine dernière parce qu'il y avait une affiche. Et aujourd'hui, il y a eu un... Enfin, aujourd'hui, cette semaine, il y a eu un trailer euh, pour le film Jujutsu Kaizen Zero. Waouh. Wow. Oh, oh. <laughs> <laughs> Déjà, juste, waouh. Wow, Kai, je te donne la parole. Je crois que tu été... Bah, parlé. En vrai, ça a été, euh, ça a été publié, enfin, ça a été même teasé par, euh, par Toe Animation euh, qui, euh, qui, qui, qui s'est empressé de faire... Euh, pas mal de tweets euh, avec euh, le, la révélation euh, d'un compteur mmh. et euh, ça s'est conclu avec euh, tout simplement l'annonce sur YouTube euh, d'un, d'une première pour le, pour l'annonce, pour la diffusion du trailer et on l'a eu euh, premier trailer euh, quasi complet et final je pense euh, de l'usine oui 0 euh, oui. qui va adapter tout simplement le, le volume 0 comme comme son nom l'indique et euh, quel trailer Omg oui, mais... OMG, les amis. Non, vraiment, c'est. Euh, et, et surtout, quelle musique, qu accompagne. quelle musique qui l'accompagne Quelle musique et D'ailleurs, elle a été réalisée par King Nu, qui a fait euh, l'opening d'un petit animé pas trop connu du oh. moment, hein, ah, qui okay. s'appelle Ranking of King. Ouais, on vous en parle un peu euh, toutes les semaines, voilà, <laughs> on casse la tête avec <laughs> cet animé. Et l'opening est excellent. Et du coup, c'est le même qui fait la musique, et et le thème principal de cette musique. Une tout aussi excellente. Qu'on entend dans le, film, euh, dans le trailer Dans le trailer. Qui peut, va être un banger, mmh, je, je, je le sens, on le voit. Dorian, ton avis sur le trailer ah, ah, bah c'est magnifique Oui, je sais Ça, <laughs> ça, claque. <laughs> ça claque Alors, moi, j'ai pas lu Tom tome 0, donc j'attends vraiment de ah. surpris. Déjà, par contre, un truc qui m'a surpris par rapport au design du, du personnage Yuta, je crois, oui. qui s'appelle, c'est que c'est le même Seiyuu que Shinji. Ah ouais mmh. Ouais, ça s'entend. J'ai, Enfin, peut-être que je me trompe et que c'est un qui ressemble comme deux gouttes d'eau à lui, mais de ce que j'ai cru entendre, c'est celui de Shinji, donc ça Il me semble que c'est le ça Seiyu de Yu-Gi-Oh! Il me semble. Il a peut-être de... de... peut fait aussi celui de Yugi. Mm -hmm. Je ne me rappelle plus trop de savoir en jap. Mais ouais, Et... mais... Mais, mais ouais ça, ça m'étonnait par rapport au caractère du design. Surtout, en fait, quand il est récent, là j'ai l'impression que... Euh, enfin, qu'il est récent, notamment sur les covers, autres, que je pense que le personnage, ça va montrer un peu sa, sa descente aux enfers. Je pense que ça va être un peu ça, Enfin ça se voit. Mm -hmm. Et j'attends de voir, mais de toute façon, dans tous les cas, même si le film était haché pour aucune raison, ça n'arrivera pas. Ça va claquer, ça va claquer, on va en prendre plein les yeux et c'est cool. ça c'est... On nous confirme dans le chat hein, pour, ah, euh, pour le, le seiyuu. Ah voilà. Nugget euh, tu, de tu, la tu... saison 0, ok, ok, cool. Vous ne dites pas de bêtises. Euh, clairement, c'est un des films qu'on attend le plus pour, pour cette fin d'année au Japon. Mm. Mais, euh, Mais j'imagine 2022 pour, pour nous en France. Hein. Alors, il le... y a un compte Twitter officiel joué en France, mm. français. Il laisse bien présager que, hein, franchement, il fait des tweets. Oh, ouais, et bon, c'est même pas un secret, on le sait très bien, hein, je pense, qu'il qu va sortir le, le film. La question, c'est quand Oui. Et on a toujours un peu de retard. Hein. En ouais. vrai, j'ai même l'impression, enfin, on a trop de... même par rapport aux Américains, qu'ils ont des films bien plus en avance que nous, et je comprends ouais, mais pas mais pourquoi. Le Mexique aussi, il y, a des, il y a des pays, alors qu'en France, je pense qu'on a fait de preuves, hein, maintenant, ça y est, mais en termes de... Là, par exemple, est-ce que ça dépend plus de taux ou Crunchyroll, dans ce cas-là, pour la sortie en cinéma alors, je pense qu'il y a un parce peu que, des deux. Euh, mais... Parce que oui, en France, il y a un côté ADN avec euh, My Hero Academia qui peut peut-être influencer, par exemple, au niveau des films My Hero Academia, voir des Heroes Mission qu'on attend toujours. Ouais, bah ça, euh, il me semble, qu'il y a. En tout cas, pour le premier film My Hero, on n'avait pas le droit de le diffuser avant les Ricains, par exemple, tu vois. Ah ouais Ouais. Euh, My Hero, c'est un peu spécial, parce que Fate, oui. c'est vraiment très très big. Très 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 big. Mmh, mais je parle en général, en fait. En général, on a, on a toujours ouais. des trucs en retard, alors que. Je pense que les chiffres sont là maintenant hein, en termes ouais. de, de, de films d'animation. Demon Slayer, on l'a eu euh, en dernier. Euh, voilà, tous les films un petit peu euh, qu'on attend. Le One Piece, oui. euh, il est sorti quand Le One Piece par rapport à la, quasiment un an après le Japon, mmh. c'était beaucoup. beaucoup hein. Broly, on a eu un cas très spécial. Broly on l'a vu bien avant certains pays en avant-première, mais en sortie, vraiment, on l'a eu dans les derniers, par exemple. Dragon Ball Super Broly. Qu'est-ce que vous pensez de ça euh, dans le chat Dites-nous dans les commentaires. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu... Euh, voilà, on ne sait ouais. pas trop pourquoi, est-ce que c'est des problèmes de négociation? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi les autres pays l'ont avant nous? Ouais, euh, bon, Il euh, euh, y a un manque de, de com' par rapport à ça. enfin En tout cas, pour notre public, tu vois, nous on et... est là, on râle et tout, mais... Euh... Je me rappelle... Des... Enfin, en tout cas, les échos qu'on entendait, par exemple, à l'époque de Dragon Ball Super Broly, et je pense qu'il y a toujours cette peur, celle euh, des cinémas, des, des chaînes de cinéma notamment, où on vient on leur présenter un anime, c'est pas du Disney, c'est pas du euh, comment dire, c'est pas du Disney, c'est pas euh, des, des gros gros noms. Euh, enfin, c'est des gros noms dans la soirée manga, mais pas des gros noms tout court du cinéma. Donc du coup, il s'est toujours un peu en mode. Ouais. <laughs> c'est, c'est toujours un peu. Je, je pense qu'il y a toujours un peu cette mentalité. Euh, même des fois, j'irais jusqu'à dire certains de, de sous-culture. Je pense. Toujours. Parce que on, on va parler tard de Star, de Sword Art Online. Il y a eu le film qui est sorti récemment au Japon. Il est déjà annoncé aux States. Il, faut... il est même sorti. Au... Je sais pas s'il si est sorti ou s'il si est annoncé aux States. Annoncé, je pense. En ouais. je pense est annoncé. Au, au Japon. Et en, en fait, France, bah, il va sortir va même. Peut-être avant-première, qu quelque part euh, au Grand Rex, un truc comme ça. Tu vois. Je, je pense tout. Je, je pense qu'il y aura quelque chose parce que Wakanim derrière et Wakanim niveau cinéma avant. Ouais, mais Wakanim, pour pour, pour, ils, euh, ils par ils exemple, tous. pour Fate, euh, bon, ils ont fait quelques séances au Grand Rex et peut-être dans quelques cinémas en France. Oui, mais. Fate, oui, mais pour mais moi, je... Fate et ça, ça se joue un petit peu. Peut-être oui, un petit peu national, je sais pas, mais en tout cas, on a toujours une diffusion cinéma avec Wakanim. C'est clair qu'on n'en a pas. Débat parallèle, hein. Mais les films Pokémon Les films Pokémon, moi, c'est ma plus Mais pourquoi Comment ça se fait Pokémon qui est la plus, j'ai un petit plus en plus Pokémon donc c'est parfait. Mais euh, Pokémon qui est la plus grande licence, qui marche très très bien en France également. Je trouve ça fou que bon maintenant Netflix a repris un petit peu le truc donc même si ça sort pas ça sort sur Netflix donc ça va. Mais euh, même avant euh, le film les derniers films là le 20, 21 euh, au cinéma on les a jamais eu. Il oh, y a eu non si le 20 il y a eu une séance au Grand Rex j'y suis allé d'ailleurs mais c'est tout quoi. Ouais Pokémon c'est hein. assez étonnant parce que ça marche énormément ben j'ai pas envie de dire regarde la licence euh, enfin depuis <laughs> regarde la licence depuis 2016 <laughs> limite on pourrait dire mais, mais ouais, c'est étonnant parce que c'est quelque chose où euh, il prend tout emmener mais... je pense qu'en fait le problème avec Pokémon c'est peut-être la continuité avec la série en fait parce que même si c'est non, non canon je crois avec la série il y a toujours je pense cet aspect du tu vois Sacha avec un groupe puis avec un autre groupe ouais, puis avec un non, autre etc non, parce que le... en vrai euh, le film <laughs> il se suit qu'à lui-même généralement ouais, ouais je suis d'accord mais je, je pense qu'il qu y a peut-être de ça qui empêche de dire euh... Licencie ou autre, je sais pas, je sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est quand même euh, assez. Sérieux. Moi, plus... Après, maintenant que Netflix a repris les droits, je maintenant je comprends pourquoi. Peut-être oui, qu'il n'y pas de oui. mais avant, avant que Netflix ait les droits, c'est pas ça, fait pas si longtemps non plus qu'ils l'ont, peut-être un ou deux ans, euh, mais avant ça, euh, voilà. Par contre, est-ce ouais. que vous avez vu le dernier, le Coco là, le film Coco dans la fin Non, peux pas eu, il, il est sorti et il est plutôt sympa, franchement, je vous le recommande. Il est oubliable en vrai, tu vois, je l'ai ouais. vu plusieurs semaines, et je l'ai un peu oublié, je vous avoue. mais sur le coup, tu passes un bon moment après, c'est le problème des films Pokémon récents, j'ai envie de dire, depuis genre le. Si je suis dur, je dirais depuis le dixième. Et là, on est euh, le dixième, c'est Eye c'est ça euh, Dixième, au Oui, c'est ça parce que derrière, j'ai une question sur ça après mon C'est plus à okay. partir de ce, après de la 5G. À partir de la 5G, pour moi. Ok. Donc c'est après. Sauf, euh, des, euh, sauf des exceptions genre euh, le, de, le Pokémon 2020, etc. Je crois. Non, pas 2020. Bon, bref. Le, le retour. Bref. Parenthèse fermée pour euh, pour Pokémon. Euh, mais voilà, je Kaisen C'est le film Zéro qu'on attend énormément. Quand, comme pour le film Mario d'ailleurs. On l'attend depuis <laughs> depuis mille ans, euh, je, je sais même plus euh, voilà. En <laughs> vrai. Est-ce que je l'attends même maintenant Franchement, bon, franchement, la hype elle est passée pour moi. Genre, le film j'irai le voir quand ça sortira évidemment. Mm -hmm. Mais genre, est-ce que je suis en mode hypé de fou Bah non. En vrai, je suis désolé, c'est fini. Quoi. Je, je pense si que Jujutsu Keysen pourrait sortir le film en même temps que... Euh, c'est une meilleure académie. Je, 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 je sens aussi. Je, je ça très bien. Ça, je, ça, ça, je, veux, ça voudrait, dire... Ouais, ça voudrait mais... dire que le film XM sort euh, dans les temps, on va dire, norm, normal, quoi, ce qui devrait être prévu pour moi. Ouais, je, genre, tu sais, peut-être un février-mars, c'est mon call. Un petit février-mars, j'aimerais bien. Moi, si on l'a, My Hero, si on l'a après janvier, pour moi, on, on s'est fait voler. Je l'ai déjà fait voler. On s'est déjà volé, mais. Les gars, on s'est enfin, déjà fait voler deux. Mais non, mais genre, comparé au premier film, tu vois, genre, euh, Two Heroes, Biles. Ouais. Bah, il était sorti en août au mmh. Japon comme euh, Maero 3 là, actuellement. Ouais. Et il est sorti en janvier officiellement en France. Si on ne l'a pas le, en janvier en France, c'est qu que. Ouais, là, 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 c'est que, euh, que, comparé ouais. au premier, ça veut dire qu'il n'y a pas eu grande avancée. Tu vois. Ok. Bon, en tout cas, le film Jujutsu Kaisen Zero a eu un trailer cette semaine. Il est incroyable. Euh, c'est magnifique. On en veut plus euh, des films comme ça. Et on, euh, on, en aura de, enfin, on a hâte de vous en parler quand ça sortira. On vous donnera notre avis, euh, évidemment. Euh, N'ayez crainte, on enchaîne avec la news suivante. Et c'est Tonikawa, la saison 2, euh, plus précisément Over the Moon euh, For You, Tonikawa Kawaii en, en, en japonais, euh, qui va avoir droit à une saison 2. Et là, bon, j'aurais dû me tourner vers Xela, normalement, mais il est pas là aujourd'hui. Vous <laughs> <laughs> le grand fan ici. Tu l'as vu, toi, la nuit Non, malheureusement non. Moi, j'ai regardé le tout début de la saison 1. <laughs> je suis pas accroché. Je sais plus que il aime vraiment bien, aime vraiment bien aimé. Il est sûrement dans le jeu, tant mieux. Le point, oui. mais ça se trouve que c'est bien, mais je, juste que je n'ai pas plus, plus creusé que ça. Est-ce que dans le chat, dans les commentaires, vous avez vu euh, Tony Kiara euh, Est-ce que vous êtes hypé par cette saison 2 euh, Apparemment, la fin de la saison 1, d'après Xéla, que j'ai dans, dans, mon, dans mon écouteur, pas du tout, il est dans le chat. Euh, la fin de la saison 1 est criminelle, il n'y a même pas de transition. Eh bien, tu auras quand même la suite dans pas longtemps. Et, euh, et le manga, j il est... Je crois que j'ai entendu que l'adaptation a un petit peu été massacrée. C'est peut-être pas pour celui-là, mais mmh. peut-être. Est-ce que euh, le manga, il est pas dit en France J'en ai aucune idée. <laughs> et bah, ben ce sera le sac au du jour avait... <laughs> <laughs> Bon, apparemment, c'est sympa sans plus, on dit dans le chat. C'est à peu près ce que j'ai je... ouais. moi-même. C'est un peu mon avis là, tu vois. Des premiers épisodes, hein, j'ai dû voir les 3-4 premiers épisodes. De loin, sympa sans plus. confirmez-moi dans le chat, mais de loin, j'ai l'impression que c'est entre le wholesome et le cringe en fait. Euh, ouais. J'ai l'impression okay. que c'est un peu un sort de mélange des deux, euh, un, un peu bizarre. Euh. Ok, confirmez-moi. Bon. Tony Kawa, selon deux, malheureusement, que vous n'est pas là pour nous en parler, donc on ne va pas pouvoir rester très, très longtemps dessus. Mais <laughs> elle existe, elle arrive. Euh, donc, n'ayez crainte, est-ce qu'il y a une date En enfin, bref, je ne sais pas, de Il n'y a pas de date, date, date hein, c'est juste ce que ça a été annoncé. Oui, oui. Euh, très bien, on enchaîne avec la news suivante du coup, et on va parler de Bleach. Ah, tu me fais ça Point d'interrogation. Eh bien, oui, je, je réponds à la question <laughs> directement. Euh, oui, parce que, euh, ben, ils ont annoncé plusieurs stages, plusieurs super stages, euh, dont Bleach, Chainsaw Man, World NRM, qui avait déjà eu un truc mm -hmm. l'année dernière, et, 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 et Platinum End, quand même, euh, qui obtiennent du coup des super stages X. Donc, c'est les plus gros stages, on dirait, que les, les, les autres mangas. Old Jump ça 2022. Alors. Quel plaisir. Alors, déjà, attends, on va commencer par. Allez, World NRM. Euh, ouais, fait... ah, pour le coup c'est un, un cas assez spécial étant donné que je crois que l'anime il a été repoussé. Okay. Ouais, il a été oh. repoussé. En ouais. fait moi j'ai juste un bon souvenir avec euh, ça, c'est la personne dans le chat. Comment il s'appelait déjà oh. ah, il bon, je, me oh, je me rappelle <laughs> Dédicace à toi, tu vas, tu vas te reconnaître. C'était euh, pas genre Pervers du 68, un truc euh, comme euh, ça. Et qu'il était arrivé, il avait dit, il avait euh, ça a l'air pas mal, ça. <laughs> il avait fait une masterclass. On avait trop rigolé ce jour-là. Donc, Pervers euh, ouais, du un, voilà, un truc comme ça. C'était vraiment un boss, hein, vraiment <laughs> le boss du monde. Il <laughs> euh, y a eu du coup Platinum N, Platinum N du coup, est-ce que l'anime sera encore en cours oui. Je pense que oui. Oui, Donc c'est vraiment par rapport à, à l'anime qu'ils vont, euh, qu vont vouloir pousser encore un peu l'anime pour que le manga aussi soit soit un peu, euh, soit un peu, euh, poussé. Ouais. En parlant de, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure en fait, c'est mieux. Mais euh, Shensovan, soman il y a eu l'anime qui est annoncé, le trailer qui a été annoncé, on l'a, vu, on a vu juste en live, on avait pété un pont tous ensemble. Ouais. Est-ce qu'on qu verra plus sur soman Alors moi, je mise déjà un confirmation des CU, ils viennent, ils viennent okay. sur le stage, ouais, ouais, c'est euh, Un petit message de l'auteur déjà oh. aussi, ce serait pas Oh, mal. et là ils nous annoncent. Partie 2. partie deux. Et là, c'est notre qu'on attend. C'est le manga, c'est mmh. fini. Ça, euh... ça serait beau, mais à la fois, j'ai pas d'espoir. Je sens qu'on va avoir encore deux deux marketeurs qui vont me dire. Alors voilà le gobelet, voilà le verre. Et le trailer, il va sortir une semaine avant. Écoute, c'est le moment de, de faire les calls comme ça. Quand ça quand on aura les confirmations pendant le, pendant le stage, on, on pourra dire. J'étais là, j'y fus, je l'ai dit, je le colle. C'est clair, c'est clair. <laughs> Euh, donc ouais, confirmation par les news qu'on place, pour parler de l'animé, pour moi c'est quasiment sûr. On espère quand même un petit trailer en plus, on se met un petit peu... Un petit une date, peu... Une, date en fait. une date aussi, on n'a pas de date Une date, une date et un visuel, au moins tu vois, minimum tu vois une date non. et un visuel plutôt qu'un trailer. Il y a toujours plus 2022, je crois que c'était. Ouais, c'est 2022, mais on n'a pas, pas de date. Pas... D'accord, bon, au moins une date. alors. En vrai, c'est même plus important que le trailer pour moi, la, la date. La part, date Un, et le visuel, un petit visuel. Par contre, ouais, la partie 2, vraiment, quand j'y repense, j'ai l'impression que ça fait 10 000 années. En fait, on n'attend pas parce qu'on se dit ça arrivera quand ça arrivera. Mais j'ai l'impression que quand j'y repense, vrai... ça fait 10 000 ans qu'on l'attend. Je suis d'accord, ça fait mais trop bizarre. En vrai, Non, on le laisse tranquille. Oui, oui, oui. Il a un meilleur live, je pense. Il a un petit look back qui était juste une masterclass totale. Il est reparti, il va revenir, il va nous faire une masterclass encore avec. Je euh, sais pas, mais... pas, je me plains. Euh, non, je sais, je c bien. Je pas, je me plains, mais c'est vraiment. Je sais pas si vous dans le chat, vous avez cette impression aussi, mais moi, ouais, c'est. Non, mais je suis d'accord. Hein, j'ai l'impression que tu me demandes l'année, je vais dire, oh, 2012, gars <laughs> Puis... 2012, à la fin de la partie, hein, je crois. Je suis carrément d'accord avec toi, hein, mais en vrai, j'ai pas cette. C'est bizarre, dire, mais j'ai pas cette frustration de me dire si, si c'est dans deux ans, je m'en fous. tu vois, ouais, c'est pas. Grave, ouais, quoi, ouais, mais par exemple, Un peu un pareil, moment, pareil, tu vois. Je me je... dis, t'as la suite, je la veux, tu vois. J'adore je... ouais. Chainsaw Man comme vous, comme nous tous, hein, On l'a même élu euh, maire de vous... l'année l'année dernière. En, en vrai, c'est et... un peu pareil. Je pense que c'est cet aspect qu'on a aucune communication et peut-être aussi que les gens ne parlent pas assez sur Twitter hors de l'animé, en fait. Mm. Je pense qu'il y a de ça aussi. C'est clair, c'est clair. Euh, et surtout, du coup, la Bleach, Bleach, qu'on attend depuis euh, depuis. Alors, il y a eu de l'actualité sur Bleach quand même mine de rien entre-temps, entre, entre on avait déjà eu un panel Bleach l'année dernière à Jump Festa. Il y avait R, il y avait Walu comme on dit chez moi. <laughs> il y avait R, il y avait euh, un truc sur Kishimoto à son fan club, ok. Il y avait quoi d'autre C'est tout. Hein, ouais. C'était pas, c'était pas grand-chose. Euh, là depuis, on a eu quand même un, un nouveau chapitre de Bleach dans le Jump. Il y a eu Burn the Witch. bon c'était déjà en animé, voilà. on y a forcément eu. des attentes. Là. Et... là, on commence à se dire, si c'est pas maintenant, c'est quand. Parce que Bleach, on vous rappelle que la suite euh, de l'anime a été annoncée déjà, ça fait deux ans, trois ans, je ne sais même plus, ça fait être longtemps en tout cas. Euh, et on n'a aucune nouvelle, ni date, ni image, ni rien. Alors, votre, ma question, je, je me retourne vers vous, hein, c'est est-ce qu'on aura euh, ben, de la news euh, Bleach pour Jump me et est-ce que vous pensez que ce sera prévu pour 2022 ou plus pour 2023 Le cyberpunk Alors... des animés. Tu je commence à avoir un doute en hein, 2022. Alors, Comment t'avoir un doute Alors des infos. Bah déjà au niveau des animateurs avec qui j'ai pu parler et tout ça c'est il y a rien. Attention le 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 cas... Cas... Team Link. Attends attends attention. Vas-y yeah. toi. Link. Le... <laughs> le... le... okay. notre, notre... insider. Il y, a... y a rien Il y a rien. C'est aussi inaccessible que la NASA. Frère. Okay, okay. euh, ce, ce qui concerne Bleach, il y a rien il y a rien et bah en vrai ce serait bien une date qu'on nous confère, enfin je pense que ça restera de Pierrot, tu vois, pour, pour le studio. Je pense. Ouais. Je pense, mais... Euh... J'espère pas. Mais... Mais... mais euh, je de donner bon. des miettes, un visuel, un, un petit trailer, au moins une date, un petit non. teaser, tu vois. Euh, genre, euh, si dit... Vous voyez quand dans le chat vous euh, ah. Moi j'ai des plus de mal à m'imaginer pour 2022 c'est vraiment fin 2022 2022 pour moi vraiment c'est le bout du monde est-ce qu'il ne ferait pas comme une Jojo partie 6 c'est-à-dire en mode il n'y a rien du tout et d'un coup bah voilà date et puis en fait bah voilà c'est maintenant tu vois c'est genre c'est compliqué fin 2022 minimum pour moi tu vois si on l'a avant c'est le bout du monde mais c'est un miracle les gars mais c'est vraiment le bout du monde pour moi fin 2022 j'espère au plus vite évidemment mais je vais faire un call ball un call ball allez. été 2022 tu rêves. Tu rêves. Tu t'es fait de rêve. <laughs> je, je le sens bien. Je te dis à la Jojo en mode, ils arrivent, boum, voilà, hop, ça sort. Été. Et t'es. Mais t'es Au moins, ça sort d'où Au moins qu'on en reparle à bah, 2023 dans le chat. Moi, je suis plutôt d'accord en vrai, mm. 2023. Mm. Mais euh, moi, je j'aimerais au moins un petit teaser vidéo, quoi. Pour, 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 pour Au moins un petit un truc. Petit, un, petit... un petit truc. Je sais pas n'importe. Petit... Mais moi, je comme ça. Un, un petit beau euh, gosse. Un truc sur le manga. Il peut pas nous lâcher un chapitre avec la fin. C'est nouvelle nouvel arc. C'était ma seconde question, justement, c'était, ben, on a eu un chapitre qui, en vrai, laissait présager un nouvel arc, c'est pas dit officiellement que c'est un nouvel arc, par contre, je, je tiens à le répéter, parce que on a eu des fausses, euh, bon, des fausses informations, euh, mais, euh... alors, c'est quand Parce que là, vous... oui, là, quand tu... quand tu nous balances une, une bombe sur la table, un nouveau truc, il y a des, bref, j'ai pas spoilé, j'allais dire un dinguerie, il euh, y, y a des dingueries qui sont qui sont annoncées, et voilà, enfin, alors, est-ce qu'il attend l'animé pour peut-être relancer aussi le manga et que du coup les deux un petit peu se, se rejoignent. Euh, peut-être. Enfin, stratégiquement, stratégiquement c'est très intelligent. C'est très intelligent et c'est très intéressant surtout. Enfin, et là, tu, tu finis ton manga, tu rajoutes, tu rajoutes une pièce dans la machine, tu, tu, laisses, le temps, tu laisses le temps faire, il y, y a le retour de l'anime et en parallèle, l'anime il peut avancer comme il veut tranquille et ouais. toi tu avances ton manga tranquillement et dès que le manga est rejoint, enfin là où tu as, as repris. Ça va tout seul. Il faut tu... ouais, voir aussi son avancement sur euh, euh, Burning Witch, je crois. Dans, dans the, the Witch. Witch. Dans, dans, the Witch euh, dans the Witch, pardon. Dans the Witch, faut voir. Oh, je je m en m en fous. Que... Avant, j'ai jamais bien dans the Witch. Maintenant, <laughs> je m'en fous, je me dis Des fois, j'abuse. Après, j'aime En vrai, j'aime bien dans the Witch. Mais vas-y, quoi. Et, Quand tu relances, mais, le... mais, mais, mais oui, en fait, c'est avoir la priorité dans les projets, en fait, pas le savoir. Mais ça se trouve, il fait tout en même temps. Ça se trouve, il priorise peut-être the Witch. Mmh. Peut-être sur demande à Shuecha, bon, ce serait quand même étonnant hein <laughs> si à lui demande euh, Tu privilégies Bands the Witch plutôt que. Non, non, c'est impossible. Euh, impossible. Bizarre Il y a l'animé, il y a tout qui revient, euh, c'est un peu trop pour. pour... Est-ce que vous pensez que s'il si revient, ce sera en hebdo ou en mensuel ou en bimensuel ou en. Hebdo, je pense pas. Pour moi, ce sera pas d'hebdo. Hebdo, non, non. Peut-être du mensuel à la limite, mais. Euh bimensuel à la, à la à la grande limite mais mensuel ou alors c'est juste le roi il fait ce qu'il veut et, mm. et il repart il repart il repart que Kubo a l'air euh, d'aimer prendre de l'avance sur son taf euh, sur Burn the Witch tout était terminé au début c'est vrai c'est vrai oui mais euh, mais voilà en tout tout cas, il, il alors... nous a balancé des croquets à la fin de la saison 1 de Burn the Witch oui. Donc, euh... il aime trop t'abandonner des trucs euh, lui mais après l'épisode euh, il... ouais Bon, en tout cas, peut-être peut même que Burn the Witch et Bleach vont se rejoindre, euh, et que du coup, peut-être... Euh, voilà, on sait pas, tu vois, il peut se passer n'importe quoi. Hein, donc euh, mm. donc, euh, donc, on a hâte en tout cas. Kubo, on t'attend fort, fort, fort pour la suite euh, de Bleach, on espère, le plus vite possible. On enchaîne avec la news suivante. J'ai parlé tout à l'heure d'un film euh, Sword Art Online, qui, sortait, aux, enfin, qui a été annoncé aux Etats-Unis, qui est déjà sorti au Japon. Et on n'a même pas eu le temps finalement de, de se promettre un peu du, du, du film. Euh, qui n'est même pas sorti chez nous, je, je rappelle, hein, euh, qu'un nouveau film a déjà été annoncé. Mais c'est normal. Non, hein. Je te regarde et je te dis, mais. Et, du coup, euh, ça va vite là, quand même euh, Ça parle de quoi, ce film C'est la suite du film ou C'est normal, oui. Bah, en fait, on avait déjà parlé à l'époque, euh, sur la tournée progressive, c'était étonnant qu'il passe ça en film parce que. C'est vraiment une série qui a été euh, faite pour euh, répondre justement à la critique des fans qui disaient que la partie 1 de Sword Art Online, quand ça se passe dans Sword Art Online, c'était beaucoup trop court. Euh, notamment un animé où c'était même pas 14 épisodes, je crois, 12. Mmh. Non, 14, Moi, mais... 14 épisodes, je crois. Mmh. Non, 14 épisodes. Et justement, c'est une très 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 longue série, donc c'est très étonnant qu'ils disent on fait des films. Ok. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. là, en fait, je sais plus s'ils avaient annoncé le nombre de films, peut-être, confirmez-moi dans le chat. Mais euh, on part facilement. Minimum, le minimum, je pense que c'est une trilogie en fait. c'est okay. encore, en fait, Progressive, c'est une série qui aurait pu faire 50 épisodes, limite, voire 100, je crois, des retours que j'ai entendus. Oh, donc c'est pour ça que je suis très étonné qu'il passe des films en fait. Ok. En tout cas, le film, il s'appelle euh, bah, Sword Art Online Progressive. Alors, excuse-moi pour la prononciation. Hein. Euh, mm -hmm. scherzo of Deep Night. Et c'est annoncé pour 2022. Ah, donc, Déjà, c'est quand même vu. assez court. Cool, hein. Parce... Je de me nos délais, en 2021-2022, on enchaîne directement. Euh... Parce que, voilà. j'ai pas lu euh, pro, Progressive, mais euh, de ce que j'ai vu, euh, du peu que j'ai vu, des retours que j'ai vu, etc., en fait, c'est sans entendre Online, sauf que au lieu de suivre une histoire, dire on suit le développement d'une histoire, euh, c'est plus euh, du voilà le monde, on le décrit avec exactitude, on suit l'histoire, on décrit chaque étage, etc., parmi Alors. les 100. Parce que on a, on dans, je vois dans le chat, on n'a pas expliqué. Euh, c'est quoi C'est un film C'est un reboot C'est quoi Alors, <laughs> Ouais, c'est un, un peu un sort de reboot. C'est-à-dire que. De la saison 1. De l'arc 1, vraiment, de l'arc Art Online, celui qui a un peu attiré tout le monde à la base, voire même celui préféré de, de certains. Et, et oui, c'est un sort de reboot. On se concentre pas seulement sur Kirito, mais sur Kirito et Asuna. Euh, de Un peu. D'une façon équivalente sur d'autres personnages, ça a introduit d'autres personnages, ça détaille énormément l'histoire, énormément l'univers. Et oui, c'est vraiment, comme j'ai dit, fait pour répondre aux critiques des, des gens qui trouvaient la partie 1 de Sword Art Online beaucoup trop courte. Je... Ben, en vrai, ça a l'air assez stylé. Genre, genre j'ai pas envie de me remettre. ça c'est vrai que j'ai un peu lâché. Je voulais en plus regarder la dernière qui avait l'air. C'est un truc que j'ai pas vu finalement. Mais en fait, il y a beaucoup d'épisodes et euh, mmh. j'ai pas pu suivre que je rattrape. Ça, je... En vrai, ça me donne envie. Mais là, tu vois, vu que tu recommence au début, si c'est plus détaillé, si on a d'autres points de vue, ça peut être sympa, si ça sort en France, ou alors on, on me on demande, a... mais du coup, on peut regarder le film à la place de la saison 1, je suis pas sûr, mais je pense que oui, enfin, pas, pas en ce film, ce, ce film ne suffit pas, c'est une... De ce que j'ai compris, c'est une petite partie de l'histoire, okay. c'est une petite partie de l'histoire. Ok, ok, en tout cas, je voudrais remercier euh, tous les gens qui s'abonnent, hein, sur la chaîne, mmh. la chaîne, qui fait fait quoi, à la chaîne. je Merci vois qu'il y a un coup. petit train de hype. ça Merci nous aide énormément. Beaucoup. ça, vous ça vous soutient petit... tout ça. Tout ce que vous voyez ici, c'est beaucoup d'investissement et... Et si vous pouvez bah, nous aider un tout petit peu, voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager le live également euh auprès de vos amis, ça nous aide tout autant. Je voulais juste finir sur Récemment oui. en disant oui. que euh, je, je suis abonné à quelques comptes et clairement sur les réseaux sociaux, ils font une pub. Alors je sais qu'il le film, euh, je savais une semaine avant qu'il sortait, clairement juste parce que. Ah, c'est. <laughs> Notamment dès que c'est la nuit, dès que c'est les horaires du Japon, du matin au soir, du, du SAO, ça balance, ça n'arrête pas. Ils font euh... max de comme dessus. C'est vrai qu'on a mis dans les news en bref, mais on peut en parler maintenant en vrai. Euh, C'est euh, la collaboration japonaise entre le film sur Artanime Progressive et euh, Les Éternels. C'est étonnant ça d'ailleurs. C'est euh, ouais. vrai que, euh, enfin, Étonnant, mais euh, ça arrive assez souvent, je trouve. C'est une hein. affiche, euh, je sais pas si on peut nous la mettre euh, pour, pour les gens. C'est une affiche euh, ben, qui met en scène euh, les persos de l'Éternel et, ouais. et de Sao. Ça commence souvent ça, avec, euh, avec les mangas assez, euh, assez hype ouais, euh, au Japon. Arrive. Il enfin, y a eu Detective voilà. Conan, il y a eu My Hero avec euh, Infinite War. Oui. Detective euh, oui. Conan, il me semble c'était Endgame. Oh là là, on le voit. Non, on les voit et, et, et c'est la... très très stylé. Hein, très, très, mmh, très très beau. Très très beau. Du coup, on peut toucher un petit mot sur Les Éternels, hein, même si c'est pas le, le sujet ou quoi. Mmh. Tu l'as vu, je l'ai vu, t'as d'en oui. penser quoi. Euh, c'est un Marvel, hein, pour ceux qui savent pas, voilà, c'est un Marvel. J'ai adoré. No joke, c'est un super Marvel. En fait, on revient de loin quand je regarde les anciens films et les trucs que j'ai beaucoup moins aimés dans Marvel, je me dis que là, il y, y a une vraie step. Il mmh. euh, y a 10 personnages principaux et c'est un sacré pari. Enfin, 10 personnages à la et le introduire, développer. Ouais. Le casting aussi il est fou. Il, est fou. Euh, il y a, a Stardust dedans. dedans. <laughs> ça deux, oui. genre. Franchement, quand je regardais le film, j'arrivais pas à voir autre chose que ça. Deux, mais oui, à mais à chaque fois, je vois des images. J'ai pas vu le film, mais je vois des images. À chaque fois, je suis en mode mais euh, <laughs> Mais ce que je kiffe, c'est qu'on commence à toucher des trucs, euh, des trucs cosmiques, un peu ouais. des, des délires comme ça. On commence à y arriver tranquillement avec les éternels. Et, et même si le film est un peu long, peut-être à des moments, il est nécessaire parce que tu introduis ben, 10 personnages, pour leur raconter leurs, leurs histoires, etc. Donc c'est plutôt cool. J'ai aussi kiffé. Je vous invite euh, à aller le voir. N'hésitez pas. Il y a aussi très rapidement aussi. Il euh, y a euh, le néon-Genesis Evangelion, euh, les films qui ressortent euh, chez Eurozoom euh, dans certains cinémas, pas beaucoup je crois, mais regardez dans certaines villes de France, à Paris il y a le MK2 de Montparnasse et de euh, ben, Bibliothèque François Mitterrand, euh, n'hésitez pas, c'est des baigneurs absolus, Zienne of Evangelion est peut-être un, un des meilleurs films d'animation de l'histoire. Donc, euh, donc ça vaut le coup d'aller voir au cinéma, il faut que j'aille le voir cette semaine. Je voulais juste rajouter sur ouais. Les Éternelles, euh, j'ai vu que quand il y a les avant-premières qui sont sorties notamment aux Etats-Unis, le film s'était fait défoncer par la critique et de ce que j'ai compris, confirmez-moi si c'est le cas ou pas, euh, de ce que j'ai compris c'est parce que les cinéastes, les critiques cinéma, on ne sait pas pourquoi, ont dit ouais en fait c'est un film à juger à part donc du coup c'est bizarre et que du coup ils ont jugé vraiment le film à part comme si ça n'était pas un film de MCU vu que de ce que j'ai compris euh, le film s'apparente Justement, plus un film limite à, à Oscar, euh, un, un grand film plutôt que voilà, un film du, de MCU euh, classique en fait. J'ai ouais, bon. l'impression qu'il s'est éclaté par la critique pour ça en fait. Je sais pas. En vrai, je sais pas si j'arrive jusque-là. On sent quand même la, la patte Marvel. C'est ce et que j'ai ah, mais... entendu en tout cas. C'est les échos que j'ai eu. Mais ok, d'accord. Très bien. Euh, on enchaîne avec la nuit suivante et on va parler du coup de la suite de. Nanatsuno Taizai, The Seven Editions, est-ce qu'il y a des fans d'ailleurs Dites-nous dans, dans le chat. Euh, qui va être adapté en animé. Ouais. Alors le manga s'appelle euh, Fortnites of Apocalypse. Euh, est-ce que tu peux nous en parler genre, un petit peu du manga euh... ouais, bah, C'est tout simplement euh, la suite directe euh, des aventures de Meliodas, mais, euh, bien qu'on ne le suit plus. Cette fois on suit euh, Perceval, qui est une référence aux légendes arthuriennes. Et, euh, et tout simplement ces aventures avec justement les quatre chevaliers de l'Apocalypse qui ont été. Euh, pour, pour situer l'histoire, qui ont été euh, annoncés comme euh, ceux qui vont euh, terrasser Arthur. Voilà. Et euh, pour l'instant, euh, le début de l'histoire se concentre justement sur les aventures de Perceval qui va justement aller à leur rencontre. Ok. Euh, T'as lu le manga ou pas Moi ouais, j'ai lu? lu le manga. Qu'est-ce que ouais, en penses pense. En vrai, euh, j'étais suis... de moins en moins fan de Nanatsu Nataezai à la base. Okay. Un... À la base, j'aimais euh, bien euh, le début du manga. Et ensuite, Descente aux de Enfers, je t'en parle oui. pas. Bon. Et euh, pour le coup, euh, Fortnite of Apocalypse, euh, je trouve ça plutôt sympa. Je, je suis le premier surpris. C'est plutôt sympa, même s'il y a des trucs qui me dérangent encore un peu. Euh, mais euh, pour l'instant, ça prend son temps. On est encore au début, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on est au top 5, je crois, ou 4 au Japon, et on n'a toujours pas vu un seul des, des Chevaliers d'Apocalypse, de ce qui est un peu dommage. Okay. Mais euh, c'est plutôt sympa. c'est plutôt sympa. Okay. Le manga est déjà annoncé chez, chez Pika Edition, ça devrait sortir dans pas longtemps. Mmh. Et, euh, et du coup, le personnage principal, bon, donc l'anime est annoncé, on peut en parler maintenant. Euh, l'anime est annoncé pour 2022... Ah, euh, pour 2022, c'est ça. Mmh. Pour 2022, excuse moi euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu l'attends es, ah, ouais, hein Ce qui est surprenant avec cette annonce d'anime, c'est que ce n'est pas un anime conventionnel. Enfin, ah ont... oui, d'abord, ce sera deux films. Ce sera ça, deux, deux films. Euh, et le premier se concentrera sur euh, Tristan, qui est le fils de Meliodas. C'est euh, euh... le personnage principal du manga ou non dans... okay. C'est un personnage qui n'est pas encore apparu. C'est un des chevaliers de l'Apocalypse qu'on n'a ah, pas encore rencontré. Donc c'est pas l'adaptation du manga Non. Enfin, j'imagine que ça va être euh... ça va être l'adaptation du manga. Mais on ne voit pas dans le manga. On ne voit pas dans le manga, mais je pense mais que c est c est ça, ça va coup. se rejoindre en fait, parce qu'en fait, euh, les quatre chevaliers, c'est des personnages principaux. Okay. Et euh, je pense qu'ils ont chacun leur histoire, euh, vu... vu que vu que bon, en fait. Euh... Dans, avant, à, à la fin de la Last no on a eu un chapitre spécial sur un des chevaliers de l'Apocalypse okay. qui a disparu, et je pense que ça aussi, ça va être adapté en film. Okay. Et euh, le seul euh, qui vient, enfin le seul descendant des personnages principaux de *The qu'on n'a pas vu encore, c'est Tristan. Okay. Donc euh, je pense qu'ils veulent l'introduire en film. Ok. Ce personnage. D'accord. Et, okay. et le dernier, peut-être, ça sera le quatrième qu'on n'a pas vu. Ok, ok. Euh, le film sera distribué sur Netflix. D'ailleurs, ça, ça c'est important de le dire pour, euh, pour ceux qui voudront le, le regarder. Généralement, si ça sort sur Netflix, c'est que ça arrivera plus ou moins vite euh, en, en, en France. Du coup, c'est un, un film prévu pour Netflix, si j'ai bien compris. Ça mm. sortira pas au cinéma au Japon et du coup, ça, ça, ça arrivera plus vite chez nous en France. Mm. Donc, c'est un mal pour un bien aussi d'un côté. Mais si c'est pas pour le cinéma, c'est que derrière il y a peut-être après Netflix. Enfin, fait, ça dépend. Ça dépend, yeah, ça dépend. après. La... C'est les mêmes prod que l'anime. Alors temps. là, on n'a pas encore euh, d'annonce pour, euh, pour le studio, donc euh, à voir. C'est ah, là tout... J'aimerais ai, vraiment pas que ce soit Studio Dean euh, ou... Euh... Parce que ou... l'anime, en vrai, bon blague à, voilà, blague à part, euh, l'anime de Nightmare <'en> c'est un peu un gâchis, malheureusement. Peu... J'aimerais je, je, je bien vous dire que, que c'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est pas fou fou. Ah, euh, J'ai eu ouais. pas, pas mal de polémiques aussi, hein. vous avez très certainement vu des scènes sur Internet, même si vous n'avez pas l'anime, où c'est un, euh, un peu bizarre. Mais j'espère que le film sera quand même de qualité. J'espère aussi. Bah, film il y a, de SCP, il y a tout intérêt à justement relancer euh, quelque chose de nouveau et de, série, ouais. et de bien et, et tout simplement une nouvelle histoire mmh. donc, euh, oh, tout intérêt. Okay. très bien du coup le film Seven Deadly Sins sort sur Netflix en 2022, il y en aura deux euh, donc tenez vous prêts, euh, ça va être euh, ben, je l'espère, très 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 cool on enchaîne avec la saison 4 de Bungo Stray Dogs euh, le manga est chez Ototo l'anime est sur Wakanim, il me semble Ouais, je dis pas de décise. Euh... Et du coup, la saison 4 a été confirmée. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour les fans. Tu, tu suis, toi aussi Ouais, euh... ah, c'est plutôt cool. Moi, j'avais commencé, j'ai bien fait... aimé. Euh, je trouve ça plutôt sympa. Euh, j'ai pas fini, malheureusement, la saison 3. Je suis encore coincé à l'épisode 2. Faut, faut vraiment que je me, je me donne des coups et que je la, je la finisse. Ouais, j'avais vu que la saison 1, moi. Mais c'est cool, en vrai, faut que je continue. Hein. Mais euh, j'ai vu les deux saisons. J'ai vu le film, qui est très bien. Euh, je trouve que c'est un animé qui est... Très bien géré par Bones, euh, enfin, qui a un très bon staff surtout. Et euh, j'ai hâte, hâte de finir la saison 3 et d'enchaîner sur la saison 4 parce que euh, tout simplement euh, c'est vraiment très agréable à suivre et je pense que les fans, enfin, les fans sont, sont tout aussi contents. Et, il l'aurait calmé depuis deux ans parce que deux ans sans nouvelle de l'animé. Euh... Ça parle de quoi, Bungo Stray Dogs Bungo Stray ça parle tout simplement euh, d'une agence euh, de, de détectives euh, oh. au pouvoir surnaturel et on va suivre tout simplement euh, l'histoire d'Atsushi qui va, qui va les rejoindre suite à la rencontre avec Dazai qui est un des membres de cette organisation euh, de, de détectives qui, euh, qui enquête sur euh, des phénomènes que la police ne peut, ne peut même pas euh, s'occuper. Ouais. L'affiche est zinzin. J'adore l'affiche, la elle euh, est magnifique. J'aime toujours ce genre de compo, ça bien. ça pète, hein. ça mmh. pète des yeux, c'est vraiment très très beau les couleurs et tout, c'est c'est du haut niveau. J'ai bon, en tout cas ça me hype hein. Franchement, j'ai vu que la saison 1, je vois l'affiche, je me dis oh, j'aime savoir ce euh, euh, que se passe là, hein, tu Surtout qu'il y a un personnage là dans dans l'affiche, euh, je suis en mode euh, attends, qu'est-ce qu'il fait là euh, il ouais. je... okay. y, y a des trucs. Bon, la saison 4 arrive pour les fans, je pense que vous êtes très très contents, elle sera diffusée sur Crunchyroll. Alors du coup j'ai dit Wakanim tout à l'heure, mais est-ce que c'est Crunchyroll ou est-ce que du coup la euh, 4 Il me enfin, semble qu'il y a Crunchyroll aussi qui, qui diffuse... Euh, okay. Je crois avoir vu un truc dessus. Ok, ok, très très bien. On continue avec... Euh, bah, vous le savez, ce week-end a eu lieu euh, la Paris Manga à Paris, du coup, à Porte de versailles euh, et j'ai pu m'y rendre, bon Xela aussi était hier mais il n'a pas pu venir aujourd'hui. Euh, on va faire un petit débrief quand même de Paris Manga, on va parler un petit peu des conventions, un petit peu de manière générale également. Euh, Paris Manga 2021 s'est déroulé pour la première fois depuis deux ans, du coup avec le Covid, ça a été repoussé, et on a eu du coup ce week-end droit à cette convention euh, qui est plutôt ben, appréciée des, du, du grand public. Mais il y a une petite polémique. Est-ce que vous en avez entendu parler, vous, de cette polémique sur peut les réseaux, Twitter, TikTok et tout Je l'ai vu pas mal passer. Vous l'avez vu ou pas du tout Non Non. rien J'étais concentré sur le chat, j'essayais de comprendre un truc. C'est pas grave. J'ai une seconde d'inattention, pardon. Je disais, t'as suivi le drame, le petit. Oui, oui, le Paris Manga Gate, on va dire. Oui, évidemment, j'ai vu les images, c'est. De ce que j'ai compris, euh, ils, ont, euh, ils ont décidé de dire, bah, on vend plus de billets, enfin on ne met pas de limite aux billets en fait, de ce que j'ai compris. Euh, alors, le, le truc c'est moi je suis arrivé samedi matin, tranquillement, les mains dans les poches, euh, je vois la cour de devant, enfin tout le de, dehors de, de, de la convention plein à craquer, noir de monde. Je me dis, ok, peut-être ça n'a pas encore ouvert, il y a peut-être un petit problème, etc. Sauf que du coup je rentre, bon, j'ai la chance de pas faire la queue, donc on a pu rentrer très très vite, on va dire. En me disant que moi, dans ma tête, c'était vide à, à l'intérieur pour que les gens puissent rentrer. Sauf que j'arrive, j'arrive à 11h, ça ouvre à 9h. Euh, je me dis, voilà, j'arrive, je vois, c'est déjà noir de bond à l'intérieur. Ah, okay. Et il ouais. y a 2000 personnes dehors qui attendent pour rentrer. Comment ils vont faire Quand je dis 2000 personnes, c'est vraiment 2000 personnes et peut-être la moitié qu'ils ont déjà payé leur billet euh, en amont. C'est-à-dire okay. qu'ils ont déjà payé leur billet, ils ont le droit de rentrer en, euh, légitimement. Les images et là, je les me dis, oh, c'est vraiment la merde. Parce que j'arrive entre 11h et 15h. C'était impossible de se déplacer, il y a qui est derrière la caméra qui peut, qui peut en témoigner, c'était impossible de se déplacer euh, 10 mètres en moins de 20 minutes, c'était mort déjà. Tu vois. Il fallait mettre au moins 20 minutes pour 10 mètres, pour avancer juste de 10 mètres. C'était vraiment n'importe quoi. En vrai, j'ai Le mec prend heure de pointe, mais dans une salle. Il, il, il faut dire que ça a, été, euh, ça a été vachement mal géré à ce niveau-là. Euh, alors je ne sais pas, est-ce qu'ils ont eu les yeux plus gros que le qu Ils ont voulu vendre plus de billets que ce qu'il y avait de, de place pour, pour Est-ce est que c'est un, un manque d'organisation Ils n'ont pas cru qu'il y aurait autant de monde euh, je, 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 On ne sait pas. Eux, ce que disent eux, en tout cas, c'est qu'ils ne pensaient pas que ça allait aussi bien marcher. Bah, et que, euh, que... Quand tu prives les gens de, de conventions. Les lui... gens étaient en colère. Les gens étaient vraiment en colère. Déjà, oui. Ce que tu dis, c'est que déjà, il y a eu deux ans sans convention. Bah, les gens, ils les ont gens... envie de, re... de revivre ça, tu vois. Mmh, c'est clair. On ne peut pas... Enfin, moi je pense qu'il fallait le pré-shot surtout. Il fallait le pré-shot. fallait le pré il fallait, vraiment ouais. le enfin, en, ça, fallait pas le sous-estimer du tout. En fait, en fait ouais, c'est qu'il y a cette notion que même si ça ne ressemblait pas au succès d'un tel succès, tu dois mettre une limite. Euh, pour moi, dans une organisation comme ça, tu dois mettre une limite. Tu es obligé. Tu es obligé à bah, un moment, parce que sinon, euh... tu atterris sur ce genre de résultat. Surtout après le Covid, quoi, je... Surtout en temps de Covid. déjà, par exemple, en Belgique, où je suis allé du coup, aussi, il y a quelques, ouais. quelques semaines, quelques mois maintenant, eux, ils avaient une limite, tu vois il y avait tant de personnes ni plus ni moins si tu, voilà. tu pas après il n'y avait peut-être pas un truc avec justement euh, la, les, les lois belges en vigueur à cette époque-là peut-être bah c'était euh, même pas un mois quoi ouais c'était un mois deux deux mois je... bref mais euh, mais voilà bon bref en tout cas c'était un peu n'importe peu quoi ça allait mieux en fin de journée après 15h mm. ça allait mieux c'était plus euh, voilà mais beaucoup de gens étaient en colère je l'ai vu sur, euh, les, sur Twitter sur sur TikTok ouais. euh, okay. je disais qu'on a fait beaucoup de, de conventions dans... enfin j'ai fait beaucoup de conventions dans ma vie et c'est vrai que là c'était euh... C'est la première fois que vraiment, c'était invisible, tu vois. Vraiment ouais. au point de dire, putain, mais en fait, euh, je vais me barrer tout de suite, en fait. Ouais. Et, et, et il ouais. y a aussi un autre facteur à prendre en compte, qui est vrai, je l'ai vu sur Twitter, et c'est pertinent. Le boom du manga, c'est sur ces deux dernières années. C'est exactement ce que j'allais dire. Avec, euh, avec le confinement. Euh, Beaucoup de gens qui, à mon avis, se sont mis au manga dans, dans les deux dernières années, qui du coup... Et qui voulaient tester euh... au moins une fois. Voilà, c'est ça mais voilà une fois une fois passé le tout ça aujourd'hui ça c'était samedi matin enfin samedi en début de journée ça allait mieux en fin de journée dimanche ils ont tout réglé concrètement c'était fluide. c'était la même chose à Japan Expo pour le covid non 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 c'est pas non mais bon ils ont réglé ça pour dimanche oui ce qui est dommage c'est pour les gens qui avaient je sais qu'il y a pas mal de gens ils sont venus je mal de loin je sais pas de Marseille de Toulouse ou j'en sais rien et qui avaient vraiment pris leur week-end pour pour venir, ils ont pris des billets de train, etc. Alors, certes, ils ont, par contre, ce qui est bien, qui n'est pas bien du coup à la fois, mais c'est que Paris Manga rembourse les billets des gens qui n'ont pas pu rentrer. Mmh. Mais du coup, ceux qui ont pris des trains, par exemple, personne ne mmh. rembourse le train. Tu ouais, c'est ça. Mais bon, c'est bah, pas grave, ouais, c'est euh, fait, euh, c'est fait, fait, mais non, on ne va pas non plus euh, remuer le truc pendant, pendant mille ans. J'espère qu'ils retiendront la leçon. Il y a un point positif qui sort de tout ça, c'est que justement, j'avais peur de la reprise des conventions, de dire, ça se trouve avec justement cette peur du Covid, qui même, je pense, même quand ça sera. Terminé entre guillemets, ça va durer plusieurs années, justement, un peu. Je sais plus comment on appelle, c'est vraiment cette peur des, des, des maladies, des. Oui, oui euh, de, Voilà. C est, c est non, peur franchement, que bah, les gens. qui développent de fou et que, voilà, pas, ils n'ont pas peur, les gens. Ni masque, ni rien, ils n'ont pas peur, les gens. Et, 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 et que, ouais, sur, sur plein de facteurs, en fait, ça les perd en popularité et peut-être mourir, alors qu'on a une scène incroyable en France en convention. Ah oui, on oui, est, est même, vrai. je pense, l'un des plus gros pays, ça c'est sûr, mais peut-être même le plus gros pays en termes de convention. Et je suis quand même agréablement surpris de voir un tel succès. Bon, pour parler quand même un peu du positif, euh, Paris Manga c'est l'occasion de voir les copains, euh, je vois Jigito dans le chat qui rentre de trucs, on l'a vu, on l'embrasse, ça fait toujours extrêmement plaisir de, de te voir euh, mon Jigito et, et, et n'hésitez pas à lui donner de la force hein, sur les réseaux sociaux, allez, allez le, le suivre, c'est Jigito et n'hésitez pas à lui acheter ses euh, mangas, ça fait toujours... Plaisir, mais aussi c'est l'occasion euh, ben de, de faire pas mal d'activités. Il y avait des quiz manga, il y avait des karaokés, euh, il y a des stands où ça vend du manga, ça vend du goodies. ça un plaisir. Filles, okay. Il y a des free euh, il y a <laughs> des cosplayers aussi, ça c'est très important. Les cosplayers c'est toujours cool, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu et ça fait, euh, et ça fait du coup euh, extrêmement plaisir de les revoir euh, en forme pour. Les conventions, on a hâte de Japan Expo, on a hâte de la prochaine Amélie d'Asia, Paris Manga et toutes les conventions à travers la France. Je pense que euh, vous kiffez tous et moi le premier. Les amis, on va passer aux news en bref. Et on a déjà parlé du coup de la collaboration euh, entre les Éternels et Sword Art Nine. On va parler de la saison 2 de Seirei Gensuki Spirit Chronicles qui a été annoncée. Euh, alors peut-être qu'on a une petite image ou je, je sais pas. Je, qu une... Une, je crois qu'il y a une image. Je crois qu'on a une petite image. Euh, Est-ce que vous dites-nous dans le chat hein, si vous attendez ce oh, cet anime Moi oh, ça me dit rien du tout que Ça me dit rien du tout, mais euh, le visuel enfin... Le, c'est diffusé chez le visuel, je crois que c'est le visuel du manga, ouais enfin ça, ça m'intéresse. Ouais, bon ouais. C'est quoi c'est un Euh... Ça a la gueule d'un hein, Isekai, en tout cas dans le coup de fantasy, euh, ça c'est sûr. A ça a l'air dans un truc bien... Bien Isekai, bien d'Orient. Bien d'orient. De... <laughs> je sais pas comment <laughs> bien le faire. Bien chevelon, bien moustacu, bien... <laughs> la régie est en train de taper une barre derrière. <laughs> non mais tu sais fais pas comment là C'est hein. très heureux de hier. Et oui, c'est que bah voilà, comme quoi, on a eu une défunt, On, a senti, euh, voilà, on, ah ouais, on un l'a senti. On l'a On nous le confirme dans le chat. Merci les gars. C'est plutôt <laughs> cool. On a, euh, on a le Toporicon, bien sûr. On va continuer avec le Toporicon directement. Euh, et comme chaque semaine, vous avez l'habitude. On a un beau visuel pour vous montrer ça. C'est un Isekai, c'est ça Bianchi, ça. On voit, on voit le délire. Euh, allez on commence, on a Tokyo Revengers en premier avec 288 000 exemplaires, c'est juste la folie Tokyo Revengers ça ne s'arrête plus je, je ne sais plus où qu parce qu'en vrai on parle beaucoup de Slayer mais bon, autant il faut perdre des millions à chaque fois Il en faisait le, un moment quand même mais... Il a fait une semaine 5 millions, il faut qu'on s'en rappelle ça. Oui, Oui ça, on s'en rappelle, il l'a fait plusieurs fois même mais euh... mais il est toujours premier, voilà, ouais. des, des 200, des 300 000 ah, alors alors C'était le top 3 des monstres, il y, y, le des, top... y a des petites surprises dans le top en vrai ouais, en Dans vrai, le ouais. top 3 il y a qui est 10ème oui, un animé de saison qui était. Est-ce est que vous arrivez à lire moi, moi, je ne sais, je ne lis pas le titre. Euh... Je ne suis pas venu ici si pour s'offrir, alors j'ai tout mis en défense. Avec voilà. ça. Mais ouais. c'est un animé que je recommande parce que... en tout cas, pour ceux qui aiment beaucoup euh, les sakugas, tout ça, c'est ça... très quali. Ça, c'est tiré d'un light novel. Me sens oui, oui, tu le sens. Quand, quand, mais... quand tu vois le titre, tu dis un light novel. Il euh, y a sexy 2... Sexy cosplay doll, euh, il ouais, y a eu un trailer ouais. la semaine dernière et. On en a parlé ou pas la ouais. oui, 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 ouais, oui, 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 on, on en a parlé. parlé hein. On a du re-hype un petit peu le manga. 95 euh, presque 100 000 unités c'est euh, vraiment semaine. Blue lock, on va en parler tout à l'heure, il est eu sur la table mon trailer. Si, si mm -hmm. Voilà, tu l'as là, voilà, mm -hmm. Blue Lock qui est là, bien sûr, 67 000, c'est chez Pika en France. Otaku Otaku qui est sous là hein, aussi est bon. euh, en ce moment. Le en je qu'il fini du jeu, ne peut pas <laughs> oublier. Hein Ça me dépasse. Bon, voilà, vous avez le Topo récon en tout cas. N'hésitez pas à le screener, hein, si ouais, vous voulez. T... Euh... Il y a toujours ce top 3 des monstres, des mutants, là, juste de, de Tokyo Avengers Demon Slayer. Oui, bon, on n'en parle même plus. Hein. Ils sont là, euh, ils sont dans le décor. On continue avec le classement du Jump, les amis. Le classement du Jump de cette semaine... Euh... A ah, commencer, bon, One Piece était en couverture. C'est un gros Le, bien, le, bien, le chapitre bien. de One Piece qui était incroyable, son manga plus là qui est sorti il y a quelques heures, n'hésitez pas à aller le checker. Euh, bon, dans les premiers, on a toujours la même chose hein, les Jujutsu, les Doctor Stone, euh, Sakamoto Days qui ont monté quand même ouais. pas mal, hein, qui, est, qui est top 3. A noter aucun absent, je crois, cette semaine. Aucun absent, ok, très oh, bien. La semaine prochaine, il n'y aura pas ouais. One Piece par contre. La semaine, semaine prochaine, il y a une pause sur One Piece. Mm. Euh, oui, oui, et Macha. Ah, il est en 5 cinquième 5 ouais. mm. Et, et en cinquième. pourtant, quel chapitre Enfin, là, c'est plus des chapitres d'il y a huit semaines. Oui vu qu'il y a un décalage. Oui, 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 de... oui, oui évidemment. Évidemment, c'était il y a 8 de... mais... semaines. Évidemment, mais juste, je voulais mentionner, quel chapitre Cette semaine, c'est... <laughs> ouf, ouf je... je pense que... <laughs> ouf fait du a... sport en faisant. Petite descente aux enfers pour Black Clover. Oh, parce que d'habitude, il est en milieu de tableau. Ah de ouais. Machel, un... Machel aussi, bon, bon. Marshall, il fait du yoyo aussi, mais c'est... Ah, la a caché en de dernier. Hein. Ah, ouais. Et Redwood, ah, a, la fin. c'était cool. Merci cool. frérot, merci d'avoir existé. Et Neru, rues, ce n'est qui va euh, <laughs> pas tarder à le. Neru, je crois que c'est confirmé. La ce semaine ce prochaine, c'est ouais. la fin, je crois. Ouais. Et je et crois... Ils n'ont même ça. pas attendu la fin de leur Il y a Pépé, quand même, qui était vente en... de leur mmh. P -P -P qui était en 6. De... Ça a bien chamboulé, ouais, c'est un très gros jump et ça a bien chamboulé le classement, d'habitude. Mmh. Non, franchement, c'est euh, vraiment une dinguerie. Euh, voilà, c'était le petit classement du jump de cette semaine. On va pouvoir enchaîner sans plus tarder avec la sélection. C'est parti, jingle. La sélection, c'est les mangas et les animés qu'on a euh, ben, lu ou regardé cette semaine. On va commencer avec un petit Space Browser, bien Kai, bien Espace, bien... Euh... Bien Galaxy, bien... Bien, bien Galaxy, Team Galaxy dans le ah face, vous s'il vous plaît. <laughs> Allez, Space Browser. Alors, Space Brothers, euh, on en a parlé, j'en vois tous les mois, il y, y a forcément quelqu'un qui en parle dans ma telle. Euh, oui. On n'arrête pas de me le recommander. Euh, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il faut que j'arrête de prendre les gens pour des imbéciles <laughs> et que je commence à le lire. Ce que j'ai fait, euh, c'est sans aucun doute euh, le tome le plus rapide que j'ai lu de ma vie. Voilà, euh, tellement, euh, tellement j'étais à fond dans la lecture, j'ai failli. D'ailleurs, je l'ai lu euh, après une, un live de Smash, je crois qu'on avait fait. Euh... Je sais pas où est le tome 35, j'avais euh, le dans, dans la, la semaine. Série. Il est quelque part par là, mais bon. Mais. Euh, j'ai failli rater mon, mon arrêt à cause de, à cause de ce manga, voilà, aucune vanne. Euh, de quoi ça parle Ça parle tout simplement de son frère, de Ibito et de Muta, qui sont deux frères, euh, Ibito étant le plus jeune et Muta euh, le, le plus âgé, euh, qui un jour, dans leur enfance, ont croisé un ovni et euh, on les retrouve quelques années plus tard à des moments assez cruciaux de leur vie. C'est que Muta, lui, euh, s'est fait virer euh, de, son, de son job euh, de concepteur automobile. Et euh, son frère, lui, euh, tout l'inverse, euh, est devenu astronaute et euh, s'apprête à, à aller dans l'espace. Et euh, c'est une grosse remise en question qui se fait pour Muta, qui, a, qui est quelqu'un qui, qui, qui est un fonceur dans la vie depuis, depuis qu'il est gamin, mais qui malheureusement aujourd'hui est, est un peu le loser de la fratrie. Et euh, il va se lancer tout simplement dans l'aventure, tout simplement d'être astronaute, comme, comme il le souhaitait quand il, quand il était enfant. Donc c'est un manga euh, qui est assez euh, trop adulte, peu connu, Trop a, peu connu, trop malheureusement. Ouais. très adulte dans, dans, ce que ça, dans les termes que ça aborde. Mmh. On parle de, de, de regrets, tout simplement, de, de l'enfance. Mmh. Le personnage de Muta, il est. je pense que ça parlera surtout à des, à des jeunes adultes et à, mmh. des, à des gens qui. Ils ont raté leur vie. Ils sont un peu perdus, tu vois. Ah, ouais. Quand, quand, es, euh, quand tu, tu te lances dans les études supérieures, tu vois, tu sais pas trop où tu mmh. vas aller. Euh, des fois, tu, des fois es perdu. Je pense que c'est un manga qui peut faire beaucoup plaisir aux gens qui, qui ont un petit coup de mou. Je pense que, en vrai, le tome 1, il, il donne un peu d'espoir. On parle aussi beaucoup de chance, d'opportunités. C'est vraiment, vraiment, bien écrit. Et je vois 40 tomes. C'est Ça, il y a 35 ouais. tomes en France. Ouais. Alors, moi, j'ai le tome 35 quelque part, mais quelqu'un nous l'a volé, je, je ne sais pas où est-ce qu'il est. -ce qu il est. Euh, qui est sorti chez Pika il y a quelques jours, donc je voulais vous le montrer, mais bon, malheureusement, je sais pas où est il y a est même un animé, il me semble, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Il y a, il y a, il a eu un il est bien, il est très bien aussi. Ouais. Euh, je le checkerai, mais euh, en tout cas, euh, Moi c'est il, est... il me l'a vendu. Hein. Ah, mais <laughs> Les... mon Space roller, il faut le lire, malheureusement. Je <rire> sais <rire> que trop peu de gens le lisent, malheureusement. Il y a beaucoup de tomes, je comprends, mais deux tomes cool. Et j'ai remarqué un truc sur la cover, c'est que. Les personnages qui accompagnent Muta sont toujours en tenue d'astronaute, mais pas lui. Donc euh, j'attends euh, la cover où il sera en tenue d'astronaute. Voilà, c'est tout. R rien que pour ça, je vais, je veux, je veux lire la suite. Tu vois. Je veux juste voir le tome où il est en tenue d'astronaute. Ok, ok. Bah c'est plutôt cool. Euh, Space Brothers les amis, c'est chez Pika. et l'animé. Euh, je sais pas si l'animé quelque part euh, légalement, mais euh, euh, j'ai je... un doute. Je ah, pense mais, même moi, pas. Moi c'est un mood un peu Aden. Allez vérifier, je pense pas, hein, mais euh, allez, allez vérifier. Euh, on enchaîne avec. Tac Top aussi, ouais, -top. Euh, On en parlait en stream euh, la, la semaine dernière. Yes. Euh, alors, c'est la collaboration entre Madhouse et Mappa. OMG. On l'avait vu à l'anime. à l'anime. Japan. À l'anime Japan. Je plus. Anime Japan. Oh, J'allais ah, les... dire Anime Expo, mais c'est Anime. Crunchyroll. Euh... Crunchyroll, ok, ok. Euh, allez, à l'anime la, à Japan, euh, on a vu le, le, le teaser. Euh, ça a annoncé du lourd en termes d'animation. C'est c'est plutôt c'est plutôt balèze. donc euh, de quoi ça parle ça parle tout simplement des music arts qui sont euh, qui sont des êtres qui ont été euh, qui sont apparus suite à, à l'apparition d'une météorite noire qui relâche des monstres et qui s'attaque à toute forme de musique ouais. et on va suivre tout simplement tact et euh, une musique une music art qui l'accompagne euh, qui s'appelle cosette et euh, ils vont justement euh, combattre ces, ces fameux monstres qu'on appelle des d 2 euh, et euh, et voilà, c'est ouais. euh, une histoire qui, qui parle surtout de musique, parce que Tact, qui est le personnage principal, est, euh, est le fils d'un chef d'orchestre et il, est, il, a, il adore jouer de l'instrument, de tout type d'instrument, notamment du piano. Okay. Et euh, déjà, ça se ressent aussi au niveau des OST. Enfin, déjà, on parle d'un animé qui parle de musique, donc euh, cela va de soi qu'il qu y ait des bonnes OST qui, qui accompagnent le truc. Et l'animation. Incredible. Euh, le premier épisode, ça, ça envoie. Euh, deuxième épisode, c'est, il y a des belles scènes. Ok. Et euh, en termes de car design, etc., c'est très très propre. Donc, euh, j'ai hâte de continuer ça. Euh, Est-ce que c'est pas un peu comme à la Vivi où as ce thème musical, mais c'est central et à la fois comme un plus comme un prétexte où c'est vraiment concentré essentiellement là-dessus. Bah, je pense que c'est plus central. Tu vois, c'est ouais. vraiment un, un point. Enfin. Euh, c'est un peu la motivation limite du, du héros. Tu vois. Ouais. Enfin, son père était, était, euh, était chef d'orchestre. Il a été tué par un des deux. Non. Et euh, en fait, bah, les D deux, comme je l'ai dit dans le synopsis, bah, ils s'attaquent à toute forme de musique douce ouais. et, et apaisante ce qui se fait dans les chefs d'orchestre, euh, enfin dans les, dans les orchestres, etc. Donc, euh, et vu okay. qu'il adore jouer du piano, bon, en fait, on lui empêche de, de vivre de sa passion, tu vois. Il ouais, y a combien d'épisodes Parce que j'ai entendu dire que le premier était génial et le deuxième. Pff, ah non, le deuxième. De j'ai cru euh, comprendre. C'est ce que, ce que okay, j'ai entendu dire. Très, les... très abusé. Twitter, ça, d'accord. Okay, okay. euh, okay. Le <laughs> deuxième épisode. Info <laughs> Twitter. Les, les gens, ils parlent comme s'il y avait un épisode fait avec paint alors que le deuxième épisode est. Alors, si j'ai bien compris, ouais. c'est un épisode de Mappa, un épisode de Madhouse ou l'inverse. bref. Ouais. Ouais. après ça change à chaque fois Madhouse, Mappa, Madame. Mmh. Okay. Bon, pourquoi pas Écoutez, hein. ça s'est déjà fait ça avant, mmh. Ou... Mmh. Pas de tête. Euh... J'ai pas d'animé en tête comme ça. Mais toi, Vraiment, ça change. Ça. Après un et on, en, on alterne avec d'autres. Euh... Bon, je, je crois qu'il y a déjà eu des trucs. Bon, après il y a des exceptions, mais plus des des, des pros. Pas des prototypes, pardon, mais des... Par exemple, Star Wars Vision, il n'y a pas longtemps, avec non, Mais c'est différent ça, encore, ça, mais oui, c'est... Mais je crois qu'il y a déjà eu des, uh, des animés comme ça, oui. Il faut juste que je me rappelle. Ok, ok. bah en parlant d'animé bon, je te, te laisse la parole sur Mushoku Tensei, euh, le meilleur isekai de l'histoire, évidemment. <laughs> <On est fan. rire> <On est fan. rire> et là, pour le coup, autant tu vois les ICK, d'habitude, je fais... Comme ça, autant là, je m'assois avec toi et je peux discuter parce que c'est cool. Donc, euh, Mushoku Tensei, la saison 2 qui a commencé sur Wakanim je rappelle. Partie 2. Partie 2 de la saison 1, et euh, ouais, à, ouais, à la base, Mouchoukota euh, ben je, je m'y intéressais pas plus que ça, puis au final, c'est j'ai même pas regardé de trailer ou autre à l'époque. Et puis en fait, oui, c'est à force qu'on en parle en bien, en bien, en bien, en bien, j'ai succombé à la propagande et je me suis dit, bon allez, je vais mater Mouchoukota j'ai rattrapé la partie 1. waouh <laughs> wow. Déjà, j'avais pas vu les trailers de l'époque. waouh mais tu as, as vu les trailers du coup Bah oui, après j'ai vu, les... vu, vu comment ça balance euh... Ah ouais, j'étais en mode je comprends l'intérêt euh, immense qu'il y avait à l'époque. Les trailers sont zinzins et les épisodes, euh, vraiment j'accrochais énormément. Mais oui, j'ai accroché direct à vraiment cet aspect euh, d'Isekai Fantasy, vraiment euh, dans, dans, Une dans, dans, dans un cocon, slice of life. Il y a vraiment ce côté slice of life que j'adore, ou vraiment. C'est pas tout est beau, tout est rose, c'est du style of life, mais c'est principalement tu regardes, t'es bien, quoi. Tu te sens. Mais ton ah canapé, là, mais il est dur comme du poids, c'est pas grave, tu regardes côté Tensei. <laughs> voilà. <laughs> il n'est pas le je viens de rappeler. Non, 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 <laughs> là, 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 non, là il Non, mais par exemple, ton, tu regardes un truc dans une chaise de mer, dans une chaise en bois, t'as l'impression d'être dans, dans un fauteuil de roi quand tu regardes. Et bon, il y a juste à un moment où, du coup, comme pas pour certains de ce que j'ai compris. C'est vrai que j'avais du mal avec un changement à partir d'histoire, j'ai envie de dire pas vraiment la partie 2 d'animé comme il a été découpé, mais plus en termes d'événements qui se passent dedans. La partie 2, ceux qui ont regardé voient de quoi je parle, je pense. Et en fait, à la base, même s'il y a toujours cet aspect aventure et ça, soft life, j'étais content, mais ça m'a fait bizarre. J'étais un peu grincheux, tu vois, je boudais un peu. Et en fait, je me suis dit, cet animé est vraiment très fort parce que. En fait, avant, on t'a mis dans un sorte de cocon. Je me suis rendu compte. On t'a mis dans un cocon où t'es trop bien. Et d'un coup, on te dit, hop, sors de ton cocon direct. Mmh. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça. C'est vraiment, on te bouscule. L'animé te bouscule, tout en gardant sa même saveur. Et c'est fort. C'est très. Moi, fort. Moi, ce que, que j'ai kiffé, c'est que, genre, tu rentres dans une aventure dans un univers qui, genre, te dépasse totalement. Genre, tout existe. C'est-à-dire que tout a vraiment existé, que le monde oui. bouge avec ou sans le héros avant que tu sois embarqué dans l'histoire. Euh, des trucs qui te sont introduits dès le début, de manière un peu random, et ça a une répercussion que maintenant, et peut-être encore, encore pire après, tu vois. Et c'est juste dingue. Je pense en parlant fait. de répercussions, ce mec a lu le manga. Euh, on avait regardé l'épisode 4 ou 5, je crois, ou 6, je sais plus. De la partie 2 De la partie 2. Ouais, euh, la dernière, quoi. J'avais vu le dernier épisode, lui, il, avait, il, savait, euh, il savait ce qui se passait. Ensuite, il m'a dit, euh, il y a des trucs que, enfin, il y a des détails, qu'on qu pas vu. Il y a des détails qu'on n'a pas oh, vu. Mec, je te jure, il y, a un, il y a un détail sur un personnage important qu'on n'a pas vu et comment ils l'ont mis, c'est des enfoirés. Oh. Mais, mais vraiment, comment j'ai réagi, il a explosé de rire en fait. Encore ouais, j'ai vu ouais, ça. Ouais, ouais. Mais j'aime ah, trop, c'est trop bien. En oui. fait, juste de dire ça, tu me encore plus parce que je me dis, putain. Euh, euh, mais, mais, mais ce que tu as décrit, bah, c'est une marque d'un bon isekai et oui, j'ai fait tel manga, la seule réserve que j'ai, c'est sur certains passage euh, du manga j'ai trouvé un peu mieux notamment le dernier épisode pas celui qui est sorti ce soir celui de la semaine dernière je trouvais un peu mieux j'attends de voir comment c'est fait il y a j'ai l'impression que c'est plus pris du light novel que du manga à voir à confirmer mais mais surtout là où j'ai un peu peur c'est que j'ai peur que les gens drop à la saison 2 parce que j'ai feuilleté habitué à la saison 2 et c'est vrai que c'était un peu le moment où je me force limite un peu à continuer ah. et que c'est peut-être le moment où ça va paraître un peu long et de ce que j'ai compris, même en light novel, c'est un peu la partie faible de l'histoire. Peut-être que ce sera un peu en un animé. Sous la donc vie. ouais, c'est ce vraiment ce que j'espère parce que j'ai peur que ce soit, que ça prenne toute la saison 2 et que ce soit long et que les gens soient un peu. C'est basé, ah, basé sur le. Level. Level. Ah bah voilà, donc c'est peut-être pour ça. Euh... C'est peut-être pour ça. Mais il y a des cas, trucs qui sont pas mal en manga quand même. Je, je suis très content d'avoir commencé et très content de, très... On on eu, de voir la on suite. On a eu le flair. On a eu le flair. Allez, en vrai, le petit point quand même négatif qu'on peut, euh, qu peut donner à Tensei, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes un peu... Euh, oui, pas, oui, pas, bon, pas bon, très nécessaires. Voilà, je vous euh... comprendrai ceux qui, ceux qui regardent, vous vous comprendrez très vite, il y a, des, y a des scènes où je te dis, bon, en vrai on se serait passé. Et je comprends qu'il y a un euh... que tu as rebuté et, et, et a aussi. Et c'est ça le problème, c'est que ça bloque, tu fermes la porte à un potentiel public euh, bah, plus jeune ou, euh, ou juste qui n'aime pas ça quoi mmh. et mmh. du coup c'est un peu euh, un peu dommage oui je parle du edgy notamment hein, dans le dans, dans l'anime qui je trouvais un peu de trop et qu'on s'en serait passé ça en fait donc, ça dépend des moments moi ça me gêne pas mais euh... enfin, si des fois ça me gêne mais, euh... mais des fois ça me gêne pas mais je sais que bah, je peux pas montrer ça à mon petit cousin de, de 12 ans ouais. et donc c'est un peu dommage en vrai tout le reste est très est cool ça. et tu vois. mais bon c'est comme ça on va pas non plus euh... et, et les openings Oh, Et, il y en a genre 4 la, la, la semaine dernière on a regardé, avec elle, il, y a, mais il y en a un nouveau encore ouais, <laughs> pas. Il y a une nouvelle musique à chaque fois deux Pas années, à chaque fois, fois mais genre tous les 2-3 ouais. épisodes ouais. okay. J'ai pas le, le, suivi pas, pas, pas cette semaine le, mais... Le, le dernier il de y a encore une nouvelle musique d'intro, t'es en mode... Okay. <laughs> Donc, moi j'ai deux épisodes à, à rattraper là, mais, euh, mais voilà. Autre anime de saison c'est Platinum End, qui euh, euh, est sorti sur alors, Crunchyroll, ADN il a fait la triplette. Ah oui, c'est vrai Il a J'ai envie de se cruncher, moi personne. Et en vrai, moi aussi, et en vrai, je trouve qu'ils ont bombardé la pub. J'ai vu plein de trucs sur Petit N Popé pour l'animer. Concrètement, rapidement, mais je pense que vous connaissez, on en a déjà parlé un petit peu sur le live. C'est 13 mecs qui vont se taper dessus pour devenir dieux. Ils ont des anges, ils ont des pouvoirs. Certains ont plein de pouvoirs, plusieurs pouvoirs, c'est-à-dire euh, voler, tuer les gens, enfin une flèche pour tuer les gens, une, une flèche, flèche pour ouh, rendre amoureux. Euh, voilà. Euh, Certains ont que un des trucs, ou deux des trucs, ou trois des trucs, bref. Euh, dépendamment du niveau de ton ange. C'est une sorte de death note un peu inversée, enfin un peu bizarre. J'ai pas trop accroché au manga, mais ça je l'ai déjà dit plein de fois, donc je vais pas, je vais pas répéter, c'est chez Kazé, vous pouvez quand même tenter. C'est quand même le, le duo ben, Oba-Obata. Euh, des scénarios etc., etc. Il y a aussi un et point ouais. important à spécifier dans, dans CM6, et un point que j'aime beaucoup, personne dans l'histoire, c'est le fait que c'est des personnes qui, à la base, sont soit dépressives, soit euh, qui ont la vie qui leur échappe d'une façon ou d'une autre, en fait. Ok. Non, ça va, as raison. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, un peu dommage. En vrai. Et du coup, pour l'animé, parce, qu ouais. ouais. parce que là, le manga, on en a parlé. L'anime, tu en as pensé quoi toi non, non, non. Moi, déjà, faut je précise, donc, j'ai pas lu le manga. Ah, manga. J'ai découvert avec l'anime et pour le moment, je kiffe vraiment. Il y a quelques trucs où je tic un peu euh, par moment ou d'autres, mais globalement, ça reste un gros plaisir. Euh, l'anime euh, actuellement, je prends vraiment beaucoup de plaisir au développement, etc. Par exemple, un des défauts que je trouve, mais à la limite, je suis en mode, wow, c'est pas non plus hyper grave. C'est par exemple, je, je, je suis désolé, encore, j'ai perdu le nom du protagoniste, mais le nom du protagoniste, euh, Mirai. quand il y a des flashbacks... Mirai. Mirai, voilà, merci. Euh, des flashbacks quand il est enfant, tu, tu te dis... Comment, comment ça, vous avez des débats philosophiques alors que le gamin, il a 7 ans genre, genre, <laughs> genre, il a une profondeur dans son discours, sens, mais t'as 7 ans Arrête <laughs> en, en vrai, je trouve que c'est un peu dommage, hein, parce que... C'est juste en ça. En je suis habitué, pour Oba j'ai un, un certain standing. Tu vois, quand, mon, quand ils arrivent avec un truc, je me dis, bon... J'entends quand même quelque chose d'assez lourd. Euh, ils m'ont très rarement déçu jusque-là, euh, même jamais peut-être euh, de, de souvenir. Et c'est vrai que ben, j'ai le même problème que pour le manga, c'est que j'arrive pas à accrocher, en fait, ni au personnage, euh, à la cohérence du truc. Euh, j'ai aucun intérêt euh, à ce que le héros survive ou pas. Euh, vraiment Joseph, je suis genre Joseph 20 tu vois, à ouais. chaque fois. Et l'animé en plus, la prod elle, elle est pas incroyable, genre ça se regarde, mais c'est pas mmh. non plus genre euh, l'animé de l'année en termes de production. C'est 26 épisodes, je crois, pour, pour la saison 1. Ça va peut-être même faire tout le manga du cours d'une saison. Euh, ah ouais, mais qu'à dans et... Potentiellement, pff, je sais pas en vrai, peut-être pas, j'en sais rien. Euh, et je t'avoue que en vrai, je sais même pas si je vais continuer en fait. Ça ah ouais je, je voulais laisser une, une... Moi j'avais lu, je crois, les trois premiers tomes, un comme ça en, en manga. Je me suis dit, vas-y, il y a un mec qui, qui commence, il est partout, autant vas-y, essaye d'aller de, de, plus loin, de, de, de creuser un peu le truc. Et euh, je sais pas, je sais pas si je vais tenir, hein, parce que... Moi justement, contrairement à toi, en fait, c'est il y a cet aspect plus du... Il donne une ficelle tu le tu la suis ou non, vraiment, et c'est un peu de voir où ça va aller. Euh, voilà, je me dis pas « Ah, j'espère que machin va faire ça, ou machin va faire ça ». C'est vraiment une histoire où je me laisse porter, et qui me... C'est le genre d'histoire où ça me plaît. Il y a vraiment, par exemple, il y a des cliffhangers, évidemment... Mais les cliffhangers, je suis pas en mode... Euh, c'était sur, euh, du... bon donc... <laughs> <laughs> sur Toyo Eternity que j'avais cette même sensation. C'est un beau manga donc... C'était sur Toyo Eternity l'animé. Voilà, c'est pas l'épisode fini, genre. Oh vite, la semaine prochaine, je vais lire le ah, manga Toyo Eternity, parce que... Attends, Parenthèse, hein, Toyour Eternity c'était vraiment incroyable en animé. D'ailleurs, comme un manga, il est haut, là. Euh, quel anime. Masterclass pour vraiment qu'on passe je un truc. Vois, je que... m'en suis pas remis hein, de l'animé. Hein, enfin l'épisode ah, là... crois. Et la saison 2 est déjà annoncée, donc euh, pff, allez, scène... finale, finale, ah, faut aller. L'épisode final, mec. L'épisode final. Arrête, non, fantasme. Mais là, si nous commençons à me lancer, je... on est là jusqu'à jusqu <laughs> minuit. Mais, euh... mais voilà, pas chez En vrai, moi, c'est pour l'instant OZEP sur 20, Je ne sais pas si je vais continuer. Dorian qui n'a pas lu le manga et pour l'instant encore bien. Moi, en mode, moi petit plaisir, ça se trouve, il y a un, un moment, tout ça me gonfler et autres, c'est pas impossible. Mais pour le moment, je suis l'histoire, je suis. J'aime bien le concept. J'aime bien le développement qui est fait, de quoi ça parle Je suis le fil, je et je me laisse porter par l'histoire. OK, très bien. Je vais terminer la sélection de la semaine avec Blue Lock, Blue Lock Tom 4, le Blue Look. Euh, que vous voyez là avec une magnifique ouverture il y a Ichigo sur le Ichigo. Fait... voilà j'ai fait la main avant ah, allez hop. je t'ai eu euh, alors là on assiste euh, à un match très important pour, bah, pour l'équipe de notre héros hein. c'est un match qui va, qui va qui va lui coûter sa place ou pas hein. comme d'habitude avec Boulog c'est très euh... Toujours dans le, dans, dans le suspense bah, du, du concept même de Bullock, où il y a plein d'attaquants qui sont réunis euh, dans un, une compétition et seul un attaquant qui sera le meilleur attaquant du Japon euh, va, va pouvoir sortir euh, survivant de ce jeu. Et euh, on fait face à une nouvelle équipe, l'équipe 5, l'équipe B, je sais pas comment, comment ils appellent ça. Euh, et il y a des personnages très très stylés. Euh, J'ai noté son nom, je crois, Comment il s'appelle, c'est Seihiro Nagi. Mais je l'aime beaucoup. Qui est trop trop chaud. Je, je, je <laughs> suis archi fan du perso. beaucoup le perso aussi. Il est très très fort. L'équipe est, est très très forte. Et c'est euh, ben, ce qui va. Euh, ce match va décider de, 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 de la suite du, du, euh, de, de nos héros. Donc j'ai très très hâte de lire ça. En termes de dessin, c'est toujours une petite masterclass. Si je peux vous montrer une petite double page stylée. Est-ce que j'en ai une Toutes les pages sont stylées. Oh là 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 là. Tiens, regardez-moi ça. Nagui. Vraiment, il est trop trop beau. Mais mais voilà, au-delà de ça, ça reste toujours aussi en cas de pour l'instant. Alors j'attends de voir quand même la suite. J'ai peur que le concept peut-être s'épuise au bout d'un moment. Je pense pas de ce qu'on me dit, en tout cas ça très très cool. très. en tomes en fait. Parce qu'en hebdo, je peux comprendre que tu te teintes les lenteurs. Mais en termes je pense que ça passe beaucoup mieux. Au Japon, c'est combien de tomes là pour l'instant C'est plus de 20 Plus de 20. Ah bon Non, il y en a 15 je crois. Ok, tu as ah, une 17, okay, 17. vas-y on va dire, avec quand ouais, même beaucoup de tomes, bref, hein, c'est ouais, quand même long mm -hmm. pour une série. Donc, euh, après le concept, est bah, il est bien pour l'instant, c'est quatre 4 tomes. Parce qu'au bout de 17 tomes, ça ne s'épuiserait pas un petit peu Je n'ai pas lu la suite, donc, donc euh, si tu me dis que non, je te crois, ouais. je vais fermer, il euh, y en a 16 apparemment. 3, 5, euh, 4 tomes, en tout cas je suis conquis, moi Log, c'est un... un de mes chouchous du moment, il y a Awashi ah ouais, aussi le tome 5, je n'ai pas encore pu, euh, pu le lire, mais Log, je vous le recommande. De ce que j'ai lu pour la suite, enfin c'est des retours que j'ai vu sur Twitter, mais... C'est vrai que j'ai vu 2-3 cases, 2-3 trucs et j'étais en mode « Ah, <laughs> ça se barre un peu en couille. » C'est du sport grandiloquent, voilà, on y va. Ouais. C'est du Non, c'est de... pas du truc, mais... Je, je, je veux rien dire, mais enfin, je pense pas que ça spoilerait de fou, mais même je suis en mode « Ouais, bah, j'ai vu le truc, et ok. » Mais... Bah, spoil pas, pas. Si mais tu mais pas oui, pure, oui, je, je, je spoil pas, je spoil pas. C'était pas sûr. Mais, 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 mais oui, c'est vraiment juste du... Il t'a introduit des personnages, en mode « Quoi ?» <laughs> et mes blocs oui par contre j'ai eu les deux premiers tomes euh, et c'est ouais, un des rares mangas de sport qui a réussi à m'accrocher par exemple Awaishi euh, j'avais ben, lu le premier tome je crois et j'ai du mal à accrocher par exemple j'ai okay. beaucoup plus de mal. Je pense que c'est clair que Block c'est beaucoup plus dans l'action, c'est direct. Ouais, plus ouais tard, je plus pense que c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus, plus d'enjeux En fait, l'enjeu il est déjà présenté ouais, ouais, dès le début, alors qu'Awashi en vrai le vrai enjeu il va arriver Mais plus tard. Quoi. Ouais, et ça se place, j'ai envie de dire, c'est peut-être peut un impact, ça se passe plus dans la réalité, dans une réalité qu'on connaît bah, dès le début, ça t'introduit. Euh, ah, ouais, euh, bloc bloc Donc moi je a... l'inverse, c'est awashi qui s'ancre plus dans la réalité ah ouais, ah ouais ah, je bloc euh, tu vois un truc euh, ça il fait oui, pas oui oui non il y a des différences réalité réaliste là c'est plus, plus ça marche pas de la réalité où tu mets un contexte dans la réalité avec la défaite du Japon, la coupe du monde etc et que tu vois du coup il y a un enjeu dans la réalité ce n'est pas réaliste, mais c'est un enjeu de la réalité. D'accord, ok. Je vois, okay, que ça de je vois, vois ce que tu veux dire. J'ai capté, j'ai capté. Euh, bon, en tout cas, Lock s'est sorti il y a quelques jours hein, chez Pika, euh, donc c'est le tome 4, il est magnifique, je vous le conseille. Euh, vivement, les amis, il est temps de passer au dossier de la semaine, et cette semaine, on va parler de l'effervescence des éditions collector de manga en France. Du coup, c'est parti, jingle On est parti pour le dossier de la semaine on va parler des collecteurs en France et de, ben, de, de, de l'effervescence qu'il y a et de l'émulation qu'il y a tout autour. Euh, ben déjà, la question c'est euh, depuis quand on a des collecteurs en France finalement Est-ce est que ça fait longtemps Est-ce que c'est est plutôt récent parce qu'en vrai, des collecteurs, moi quand j'étais plus jeune, je n'en voyais pas tant que ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai pas souvenir d'avoir vu des collecteurs. Certaines éditions, mais très rares, très très rares. Notamment, je pourrais faire mal à l'époque, il y avait peut-être un truc sur un tome, mais très rapidos. Là, ça devient de plus en plus présent. J'irais même jusqu'à dire le concept de collecteur dans des produits pop culture, mais en général. Par exemple, des collecteurs de. Je ne sais pas, je prends le domaine du jeu vidéo avant les années 2000. J'en vois pas beaucoup, moi, perso. Mmh. J'ai l'impression que c'est vraiment un phénomène qui est né dans les années 2000 euh, et qui s'est amplifié vraiment défi, ces hein. dernières années. Ouais. Ouais, ces dernières années, défi. pour le meilleur comme pour le pire. Mmh. Bon, on, on en reparlera un peu plus tard. C'est clair. Il euh, bah, y, y a plusieurs types de collecteurs aussi. On peut, on peut parler de ça. Que, euh, bah, vous avez des, 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 des collecteurs à la One Piece, une couverture spéciale. Je parle pas forcément des dernières qui sont sorties, mais aussi des... Bah, euh, 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 ça, ça, tu vois, pour moi, c'est... Euh... Euh, c'est le, le souvenir le plus loin que j'ai d'une collector tu vois. Ouais, les premiers, là, les ouais, tomes, ouais. j'oublie les tomes. Les euh... tomes de Wall Cake Oui, genre, voilà. En doré, vert, doré, ouais. et, euh, et je sais plus quelle couleur l'autre. Mm -hmm. Il y en avait trois qui s'enchaînaient d'affilée. Et je me souviens déjà qu'à l'époque, mm -hmm. il y avait une émulation, ouais, genre ouais. direct. Non, après, One Piece, c'est quand même une série, voilà, ouais, bah, parfait. Vous avez ces exemples dont ouais. je parlais. Euh, il y avait vraiment une émulation déjà de ouf autour, et, et je me souviens qu'il y avait déjà eu... Bah, Quelques petits problèmes, on va en parler un petit peu après, euh, des scalpers et tout ça, mais c'est pas encore le, le, le sujet. Mais euh, ça pour moi c'est le niveau 1 du collector, c'est-à-dire une couverture un peu différente. Il y a aussi quelques, quelques petits trucs à l'époque, c'était avec Naruto je me rappelle, il y avait une couverture spéciale pour la FNAC, euh, je sais plus c'était quel tome encore une fois, hein, je ne les ai pas mis en, en image malheureusement. Il y avait aussi, une, bah, plus récemment pour Tokyo Avengers aussi, il y a eu, c'est le tome peut-être 4 ou 5, j'ai oublié lequel, excusez-moi, où il y a une couverture noire et c'est un color spread à la base ah, du, oui, oui, oui. du manga. Et euh, ils l'ont mis en couverture, mais c'est seulement pour la FNAC. Et ça, pour moi, c'est les collectors de niveau 1. Euh, et on peut même englober les derniers de One Piece, là, avec les, les, les couvertures un peu, euh, on dirait le niveau 1.5, mmh. euh, couvertures un peu en cuir. Dites-nous dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, de, de ces collecteurs déjà Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ce niveau 1 des collecteurs on, on, on va appeler ça comme ça hein, pour l'instant. Euh, Kai, je vois que tu prends ses sourcils. Pas trop fan, moi. Enfin, je ne je veux pas te mentir, quand, quand les premières de One Piece, elles sortaient. J'étais un, un petit pigeon. J'ai oh, tout pris, moi, les <laughs> dents. J'ai tout pris parce que parce que c'est One Piece, parce que j'aimais Wall Cake, j'aime aussi les, les covers du Jump. Donc, c'était des covers repris et en fait, je me disais que ça changeait un peu. Euh, j'avais pas spécialement envie de. de je me disais, de toute façon, je vais acheter, acheter quand même la version normale. Donc, euh, quitte, à, quitte à me presser à avoir la, la version collector. Enfin, et aujourd'hui, tu vois, il y a quand même les, les versions en cuir. Genre, je, me, je me suis même pas sauté dessus, c'est de dire. Genre, je me dis, quel intérêt enfin, Quel intérêt bah On va en parler tout à l'heure aussi hein, de, 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 de l'intérêt des collecteurs. Euh, je, de... je me rappelle parce que Abdul dit dans le chat j'ai enlevé ma préco du Tom 100 collector avec du recul, c'est éclaté. Je me rappelle, il y avait eu le, le scandale à l'époque euh, des kits presse autour de One Piece, je crois, euh, où, où certains disaient que, de ce que j'ai compris, que c'était mieux. Que, euh, ce qu'il proposait en fait, ouais, ça, ça, ça veut rien dire parce qu'en fait, le kit presse qui est à l'intérieur, oui, c'est toujours différent. Euh, bah, déjà, tu peux pas vendre le kit presse en tant que tel, c'est impossible. Déjà, oui. pour avoir les droits, c'est impossible, ils ne voudront jamais les japonais. Plus oui. les coûts de production, plus euh, le prix que ça aura à la fin, Enfin, ça n'a pas de sens. Les oui. trois quarts des, des choses qu'il y avait dans la boîte en vrai, ils sont achetables en dehors. Il y avait un, il y avait un artbook, euh, un color walk oui. qui est achetable à côté. Il y a le livre de recettes de Sanji oui. qui était achetable à côté. Ça, je suis pas trop d'accord avec euh, avec les, les gens, mais il est vrai que le collector, enfin, les collectors en soi qui sont sortis. Voilà, c'est pas non plus la folie, je vous avoue, en hein. même moi hein, ouais. je ne veux pas non plus euh, vous raconter n'importe quoi. Les collecteurs ne sont pas fous, fous. En, vrai. en vrai, en vrai, avec le recul, comme, comme dirait Abdou dans, dans le chat. Mmh. Euh, mais voilà, ça reste du collector. Donc, euh, vas-y, tu te dis, vas-y, si t'es vraiment pas un... de One Piece, en fait, si t'es un petit peu collectionneur, tu te dis, vas-y, merde, ouais. quoi, je l'ai vu quand même. Et donc, bah, c'est mon cas, par exemple, et je, je tombe dedans comme un, ouais. comme un idiot. Mais, euh, mais c'est aussi, aussi le but du collector, et on va en parler tout à l'heure plus précisément. Il y a aussi d'autres collecteurs, bien sûr. Il y a des, des collecteurs un peu plus. Euh, avec plus de goodies à l'intérieur, des petits pins, ouais. des petites cartes postales, ou des petits euh, voilà, des petits goodies en plus, des petits calendriers, ce genre de choses. Euh, il y en a eu pour My Hero Academia, il y en ah, a fréquemment pour euh, Shingeki No Kyojin. Euh, voilà, c'est des collecteurs. Euh... les premières pour My Hero, ça c'est les premières que j'ai vues en tout cas. Euh, parce que celui -là de la série déjà. My Hero, déjà depuis un petit moment hein. un... Enfin, Ça, ça a, enfin... a commencé avec le tome 7, oui, 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 C'est le tome 7 euh, qui, a, qui a commencé avec euh, ce genre de. C'est le premier collecteur que j'ai pris de la série. Euh... C'est vraiment là où je me suis dit, euh, quand même, on va, voir, euh, on va voir où ça va nous mener avec euh, le reste. Et d'autres séries aussi, euh, je crois qu'il y a eu, euh, pour SNK, SNK, il y a eu... Euh... Il y a un tome sur Douce, il y a un Collector. Ouais, donc c'était euh, hum. la cover réversible, euh, avec, euh, avec euh, les personnages masculins principaux euh, hum. dans, dans le sonar. Avec des pins, il me semble. Mais il y, y a un tome sur deux, il y, y a un genre de choses. Ah ouais. toujours, il voilà, y a la couverture spéciale, il y a des goodies en plus, il y a souvent des, des petites cartes ou des petits pins ou des, des conneries comme ça. Quoi, tu vois. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve très, très 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 fréquemment au Japon, notamment. Ouais. Où, euh, bah, on en parlait aussi, je ne sais plus quand, quelques semaines, quand on parlait de bah, peut-être de l'intérêt de manga, euh, si euh, voilà, si tu vas acheter le tome, pourquoi tu vas acheter le tome si tu l'es sur manga, plus, c'est qu'au Japon, en fait, tu peux lire voilà, sur, sur n'importe quelle plateforme en, en ligne. Mais la plus-value d'aller acheter au Japon son tome, c'est qu'il y a souvent des goodies en plus. Et là, en France, bah, c'est ce qui arrive de plus en plus, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. J'ai un avis très tranché sur les collecteurs de manga, je vais, je vais être franc. Il y a un problème, c'est qu'ils euh, veulent que les collecteurs soient accessibles et du coup, le contenu ne m'intéresse quasiment jamais. C'est ça le problème. Parce que en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est la cover, mais la cover en soi, c'est limite si tu peux l'imprimer toi-même, en fait. Hum, en fait... Quand je compare par exemple au niveau dans un autre domaine, encore une fois, je ramène le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo en fait, en comparaison, c'est un point positif et négatif à la fois, qui est dû. on en a absolument rien à foutre. On fout un collector à 200 balles, mais dans, mais dans les 200 balles, t'as une figurine qui est comme ça, euh, t'as un, comment dire, t'as un, t'as la bande-son du jeu, des fois, même, je sais pas, sur vinyle, t'as des goodies, mais vraiment incroyables, des, des trucs qui ont été sur mesure pour ça. Et voilà, ouais, sur les collecteurs de manga, ça dépasse rarement. Ouais, mais... Les cartes postales et pins. Et à la fois, je comprends, c'est un truc qui est fait pour être accessible. Mais c'est vrai que moi, en tant que gros collectionneur qui aime bien les gros trucs, voilà, qui sont très imposants, etc., ça ne me, ça me tente pas vraiment toujours. En bah, fait. Après, c'est un peu proportionnel peut-être au prix... Euh... Ouais, comme je quand, quand le jeu, ça coûte quand même assez cher déjà de base. Oui. Euh, quelque part, même, je dirais, 7 euros pour un manga, 70 euros pour un jeu, on va dire, pour, pour grossir le truc. Oui, c'est peut-être proportionnel. Et également, pour toi, je pense que ce qui te parlerait le plus, et c'est peut-être ben, un des trucs dont j'allais parler euh, après c'était ben, les, euh, les coffrets collector et là ouais. c'est peut-être plus tu ouais, plus, bon, plus big je pense aux ouais. coffrets akira coffrets gun coprés, euh, voilà, des coffrets comme ça où ça te parle peut-être un peu plus ouais j'aime bien aller vraiment chercher des gros trucs très chers en mode j'en achète pas beaucoup mais comme ça c'est des gros trucs très chers après c'est proportionnel oui et non c'est aussi proportionnel bon il y a l'aspect marketing toujours dedans mais il y a ce qui est vendu tout simplement par exemple quand tu as un jeu à 70 que la euh, que la collector coûte euh, 200-250 et que derrière tu une figurine qui fait 50 cm, euh, c'est pas la même chose, effectivement. Euh, du coup, je disais qu'au Japon, euh, ben, c'est quelque chose de, de, de très fréquent euh, depuis longtemps hein, déjà. Hein, le, le fait qu'il y ait des goodies quand tu ton manga ou ton magazine de, de prépublication. en France, ça arrive de plus en plus souvent. La preuve en est, c'est que je vous parle. Euh, voilà, je te le disais il y a deux secondes Shingeki no Kyojin, un tome sur deux, l'attaque des titans chez Pika, euh, un tome sur deux, il y a du collector. Euh, Maïro Academia, voilà, maintenant j'ai en tout cas chaque euh, Jacques Dôme et un collector, maintenant mais... <laughs> Ouais, c'est le cas de venir je crois depuis le 30 non. Ah non, 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 avant, avant. Avant, avant même, avant. Même le 27, le, le, le 27, 28, 28, 29, 30, il y a toujours un truc. Ouais, le dernier, je me rappelle, c'est le plus ancien. Ou je sais pas, peut-être une Mais euh, en tout cas, le euh... 27, je sais qu'il y avait une collector, mais euh, ouais, ça, ça, ça bombarde un peu plus à chaque fois. Même le 30, il va en avoir une dans pas longtemps. 29, c'était quel cover C'est pas celle avec Aizawa et Non, non. Non, c'était celle de Bakugo je crois. Bah C'est Bakugo, ouais. bah, Bakugo. Bakugo Bakugo, oui. Et du il y a le là, là je pense pas, pas qu'il y en ait une. Ah, 28-30-31, on me dit Ah, bon, voilà, 28-30-31. Voilà. Bon, bref, quasiment tous les hein, deux, j'avais dit. De c'est vrai que je n'ai pas cité, mais Kurokawa s'y est mis aussi euh, bah, plutôt, plutôt récemment avec euh, bah, le dernier. C'est pas que la je crois qu'on a, on a un des oui. trucs du collector qui est juste derrière. Euh, dans, le, le 10 novembre, elle le sort, c'est ça Voilà, il sort le 10 novembre, on l'a déjà en avant-première. on peut même le montrer. Tu peux prendre comme ça directement. C'est le petit truc en métal. Attendez, je vais le montrer. Montrez-moi ça. Hop, je vous montre. Vous aurez ça dans le collecteur du, du prochain tome de Spectaclyx. Ça, à la limite, ça, voilà, j'aime bien. Je suis un du bandeur, je vais totalement le prendre le 10 novembre, mmh. sachez-le. Ouais. Alors qu'il y a 10 minutes, je crachais sur les collecteurs. <laughs> voilà, Regardez. Qu'est-ce que c'est la taille de l'hypocrite mais, 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 mais voilà, en fait, ça représente très bien ce que un peu mon propos. J'ai envie de dire, c'est que j'aime bien quand on te propose dans un collecteur des produits uniques que tu peux afficher fièrement dans ton étagère. Je veux dire, ce qui n'est pas le cas, par exemple, comme je dis souvent, par euh, question de carte postale ou de ou deux pins. Il on on, y a aussi la même chose pour euh, le dernier tome de One Punch Man, alors je sais pas où il est, il est quelque part, mais un peu le, le, même, le même truc en métal comme ça, mais pour One Punch Man. Bon, c'est pas on, on, en tout cas, on l'a montré. Et, et c est, c est, je crois, le seul truc qui est en plus hein, dans le, le collector, on va dire, de, de ces tomes-là, donc Enfin, euh, euh, après, euh, après, il y a la cover réversible. Et la cover réversible, effectivement, excuse-moi. Euh, okay. Donc voilà, on s'y met, quoi. Mm. Euh, Pizza, ils s'y sont mis avec Hingeki, avec l'atelier des sorciers aussi, qui a des très, très, très belles collectors. Euh, comment il s'appelle Kyun, excusez-moi, Kyun avec Maior Academia, il y en a eu... Je ne sais pas ce qu'il y en a eu. Je souviens, il y en a eu une qui est arrivée avec <laughs> le, le, le Gojo, criminel. du criminel. Le criminel, il a avoué. Je l'ai fait tomber derrière la bibliothèque. Et le One Punch Man. Voilà, bref. <laughs> tu me disais, excusez-moi. Euh, oh, il problème. y a un Junutsuke Sen qui en a une. Euh, elle a été annoncée. Ah oui, elle est en abandonnée. Fait en fait. Oui, oui, ça va. Là, du coup, c'était une cover euh, de, du Jump Giga de Gojo. Mais oui, oui est mais est Elle oui, est incroyable. Ouais. Incroyable. Là, du coup, là, elle passe bien, la cover. Elle passe bien. Donc... Kyun qui bombarde aussi. Euh, Glenna, on a on a vu avec One Piece ici hein, s'y sont mis depuis un petit moment et là ils ont vu je pense euh, on va parler un petit peu des chiffres que ça fait parce que c'est juste une une, une dinguerie. Euh, Ils s'y mettent s'y mettent tous et, euh, et et les raisons ben c'est je pense qu'on peut parler un petit peu des raisons du pourquoi on a de plus en plus de collecteurs, c'est un petit peu aussi la question pourquoi d'un coup ils s'y sont tous mis c'est que ben niveau niveau vente c'est juste... Ah, ouais. juste incroyable c'est juste incroyable récemment on a eu ben, chez Glenna ils ont annoncé hein, pour le tome 99 de One Piece, record de lancement en France pour un manga. Enfin, pas de lancement de, tome, de série, mais de tome mmh. en tant que tel. C'était 98 000, je crois. Un truc comme ça, hein, de, de, de tête. Hein. Euh, attendez, j'ai des chiffres là, je crois. Euh, non, 76 000, je crois. 76 000, excusez-moi. Euh, dont 61 fait par le collector. La question que je me pose, c'est vraiment, est-ce que sur le collector, ils font plus de marge je pense que oui. Bah ça dépend du collecteur, je pense, déjà. Euh, le collecteur, je crois, il est vendu à... Généralement, les, les, les collecteurs de manga ils sont autour des 10 euros. Mmh. Voilà. Généralement, ça dépasse pas les, les 10 euros de, de, de souvenirs. Ouais, ouais, et euh, et c'est le cas aussi de One Piece. Pour One Piece, c'est juste une couverture en plus. Je pense qu'ils font quand même une petite marge sympa. Mmh. Euh, Peut-être ou pas, je sais pas, j'ai des bêtises, hein, mais... Parce que je vais... Et encore une fois, je suis désolé, je vais revenir sur le jeu vidéo, mais aussi sur les films, des fois, il y a des box qui sont incroyables. Il pousse aussi beaucoup sur l'aspect du justement, collector limité, etc. Pour euh, rajouter, oh, allez, un petit 20 balles, un petit 25 balles, un petit 30 balles mmh. supplémentaires en marge. Mmh. Comme ça, hop. J'ai quelques chiffres ben, de Amano qui est dans le chat en plus, donc on l'embrasse, hein, il, est, il est dans le chat, euh, qui, qui nous a fait euh, quelques petits chiffres assez sympas euh, pour les, collectors, les chiffres euh, de collecteurs en, en France. Donc, où je disais, euh, le, le One Piece 99, c'est euh, 76 417 ventes dont 61,5% fait par le collector, ce qui est énorme, c'est euh, 49 900 exemplaires, euh, ce qui est juste ouf. La table des titans, le dernier tome, le, le 34, du coup, c'est euh, l'édition collector, elle s'est vendue, enfin, l'édition de cours, enfin, le tome, en fait, ce qui est bien, c'est aussi que le tome, le chiffre du tome, ça englobe le collector et le tome normal, mmh. ce qui fait qu'en fait, ben, ça, ça bouge encore plus. Chiffre énorme. un chiffre énormissime. Euh, pour euh, SNK, du coup, c'est 68 357 au total, okay. dont 59%, donc pareil que pour le One Piece, 60% mmh. à peu près que le, le collector ouais, c'est juste euh, c'est juste ne zin, zin. On, on se rend pas compte des, des, des chiffres que c'est euh, en comparaison pour euh, pour Major Academia, le tome 30 je sais euh, qu'il a fait des bons euh, chiffres il a fait 44 000, 900 ce qui est énorme hein. c'est des chiffres vraiment c'est vraiment des, des, des chiffres astronomiques pour la France euh, 45 000 quasiment euh, ventes et 54 donc on y revient hein, toujours vers le collector euh, non moi 46 sur le collector donc un peu moins pour le coup. 46%. Euh... Ben, on comprend en fait pourquoi ils font ça. Hein. Mmh. Parce que ça marche. ça marche. Parce que ça marche. Pourquoi Parce que qui dit collector dit stock limité. Avec stock limité, tu vas te presser d'aller acheter le top. Ah, ouais. Directement, le premier jour, première ah, semaine, qui bien, va directement. Bien. Alors qu'en vrai, un tome normal, tu te dis, vas-y, je peux l'acheter ouais, ouais. plus tard, il sera toujours là, quoi qu'il arrive. Si un collector, le tome 99, je peux aller le chercher directement parce que je savais que je rappelle. Un... Et encore, les tomes, les tomes simples, c'est de plus en plus compliqué. <laughs> C'est une question, on, on abordera tu ah, sujet <laughs> euh, dans un autre PM show. <laughs> mais, euh, mais en temps normal, on va dire que ça Voilà. Mais, mais euh, voilà, Tout simplement, quand tu vois ce genre de chiffres, en tu fait, comprends pourquoi, euh, pourquoi les, les éditeurs, euh, si c'est la ruée vers l'or, là c'est normal. Hmm. Euh, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que vous pensez de ces chiffres, mais et on comprend pourquoi les boosts. On comprend aussi les boosts qu'il y a eu ces dernières années au niveau des ventes de mangas. C'est il, il, enfin, il y a une demande il y a une demande de ça, fin... le public qui répond en fait à, à, à cette stratégie, en fait, ben, rien ne les empêche de continuer, tu vois. Et donc en fait, ben, ils vont continuer, ils vont continuer, ils vont continuer à, à, grossir, à grossir le trait et tout ça, mais c'est clair, c'est clair qu'il n'y ben, a aucune raison pour, pour que ça s'arrête, je dirais même que ça va juste continuer encore plus mm -hmm. euh, à avoir ça. Et maintenant, j'aimerais un petit peu retomber, de, de parler des retombées positives et négatives euh, de, de tout ça. D'abord du positif, c'est que ben, pour les fans, c'est trop bien. En vrai, mmh. t'as ton collector, t'es mmh. fan de, 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 de telle série de Shingeki no Kyojin. T'as un truc qui change en Et ben, t as t as un truc en plus, ouais, t'as ouais, des goodies en plus, t'as ton petit pins que t'es content, t'as ta petite carte postale que t'es content. C est, c est, pour les fans, c'est juste euh, trop bien. C'est vraiment trop bien. Et les retombées un peu négatives, c'est que ben, certains malins s'amusent à acheter en, en, en quantité, euh, en masse, euh, le, les tomes collector pour les revendre. On appelle ça les scalpeurs. On ne les aime pas, on vous aime pas, voilà, mmh. sachez-le. Bon, bande de pinces. Mmh. Euh, non, je vois que tu voulais commencer à parler. Euh, ouais, ben, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je pense aussi qu'il y a um, une boom des ventes autour du, du collectant, justement, parce qu'on ne on peut pas savoir quelle quantité, mais je pense qu'une bonne partie, enfin une bonne partie, quand je dis une bonne partie, c'est pas la majorité, mais une partie non négligeable, c'est des scalpers, justement, c'est des scalpers qui... Parce qu'en fait, j'ai envie de dire que le scalping, ça se dit, je sais pas. Bref, les scalpers, c'est vraiment. Pour euh... ah, expliquer rapidement, peut-être pour ceux qui savent pas. Oui, quoi. Les scalpers, en fait, tout simplement, c'est des personnes qui vont racheter, qui vont acheter souvent des objets limités. On pense, par exemple, il y a une pénurie de cartes graphiques. Ils ont acheté beaucoup de cartes graphiques, les collecteurs euh, de tels trucs, il y a les cartes Pokémon, etc. Justement, des choses où, par exemple, il y a un gros boom, où il y a une grosse valeur à sortir dessus. Donc, du coup, ils rachètent pour les revendre beaucoup plus cher. Mais souvent bien. en tant que particulier, pas en tant que professionnel. C'est ça. Et donc, c'est pas un simple revendeur. Et ouais, c'est avoir la part qu'il y a dedans en fait. Parce que ce qu'il y a peur, c'est quelque chose qui est beaucoup monté, je dirais, depuis le confinement, voire même avant. Euh, avec justement la pénurie de beaucoup de choses. Et comme ça a été un gros sujet, beaucoup en on ont entendu parler. Et malheureusement, je pense aussi que ça en a influencé beaucoup, Pour euh, enfin beaucoup, au moins certains, pour s'y mettre aussi. Se dire, ah, on peut faire de l'argent sur ça. Il y a eu le boom du manga en 2020-2021, enfin un nouveau boom. Qui du coup assez beaucoup sont, ont dû se dire avec justement plus l'arrivée de beaucoup de collecteurs, ah il y, y a du pognon à se faire Quand avec les cartes Pokémon ta 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 on a tous eu au moins sur Twitter, sur les réseaux sociaux, une image d'une personne qui est une pile comme ça de manga ouais. à carrefour de collector et qui est en mode, euh, et qui met tout dans son sac et c'est pas pour y lire. C'est clairement pas pour bah, y bah, lire. Généralement, c'est même pas des fans du manga. Hein, oui, Lyon, en plus. Ça... C'est euh, plus... hein. ça le pire. C'est ça le pire. ensuite des fans justement pour se faire un petit peu de marge. C'est un phénomène pas important. Andy Mio dit dans le chat, je il les encourage pas mais si ça se fait encore, c'est qu'il y a assez de personnes pour les acheter en fait. S'il y a des offres, qu'il y a de la demande. Donc, donc, euh, ah, dit... malheureusement mais parce que justement ils créent en fait c'est pour ça que c'est un système hyper pervers c'est ils créent eux-mêmes une pénurie pour dire ah mais tenez hop c'est on le va... euh... revend alors que c'est eux-mêmes qui ont créé cette pénurie alors que pour dire ah bah tu le veux bah hein, t'es obligé et c'est alors évidemment on... On, on, pour les gens qui nous regardent n'achetez hein, pas n'achetez pas oui, à ces gens là le tome laissez-leur se ruiner laissez-le c'est pas grave non mais Yvan, Yvan, <laughs> n -n -n -ne, <laughs> ne relève pas mais, euh, <laughs> mais, mais voilà ça pour dire n'achetez pas ne leur donnez pas de la force si vous achetez vous cautionnez ils vont continuer et ça va être comme ça achetez le tome normal c'est pas grave ou au pire le collector il reviendra très certainement euh, enfin, des fois, moi j'arrive. Il y a eu des One Piece euh, 98, je crois, qui sont revenus un petit peu euh, quelques semaines après. Que quand ça se plaint en général sur le réseau, par exemple, euh, oui. il voilà. y a eu une réimpression pour SPK. Oui, heureusement. Je me souviens que j'avais encouragé ça, enfin j'avais RT parce qu'il y avait pas mal de gens qui me demandaient Est-ce que tu peux RT euh, Pika ouais, Pika bah, avait annoncé, euh, bah, bah, ils ont, ils ont réimprimé cool. des, des tomes 33. Et généralement, aussi, quand ils voient que le tome précédent a été vendu super vite, pour le suivant, ils refont encore plus d'imprimerie. Enfin, ils impriment encore plus le, le tome. Je sais que c'est le cas pour le. Bah, pour One Piece, euh, le 99 a été plus imprimé que le 98 et le 100 le sera encore plus que le 99, ce qui fait qu'il y a vraiment 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 beaucoup de, de, de choses. Allez voir votre libraire de votre coin, il en a peut-être un qui traîne quelque part. Euh, N'hésitez pas, je pense que vous lui demandez gentiment, s'il en a un, il vous le vendra très gentiment. D'ailleurs, je vous recommande vivement aller chez les libraires qui, eux, du coup, peuvent euh, ben, réguler un petit peu, genre un par personne, là où les grandes surfaces et de la Fnac, enfin, de la Fnac, certains Fnac le font, pas toutes. Ouais. En même temps, on les comprend, hein. c'est pas, ils ont pas que ça à faire, ils vendent des salades, et, des... Ouais. <laughs> et de la bouffe à côté, tu vois, donc c'est un petit peu compliqué de, de ça. C'est un petit bonus, c'est ces petits bons pour eux. c'est ouais, un phénomène euh, tellement grandissant euh... malheureusement. C est, c est... Je veux dire, à la base, c'était par exemple, je sais pas, des trucs dans des vide de grenier où t'as des personnes. Le vide grenier il ouvre à 6h, il y avait des personnes à 5h30 qui sont déjà affouillées dans les voitures. Euh, machin, euh, ah machin, le jeu, le, le livre, le truc, le machin, et qui partout, et qui hop, y'a y a plus rien sur un vide grenier. C'est très triste, <laughs> c'est très triste. Les amis, c'est l'avenir ce des collecteurs. <laughs> Qu'en est-il du coup Est-ce que vous pensez que ce sera euh, la, la fin des collecteurs parce qu'il y en a trop Ou est-ce qu'au contraire, oh. à l'inverse euh, ça va faire que continuer. Et, euh, ça et, va continuer. Et, dirige, bonne, pour moi, ça va continuer et j'ai bon espoir qu'on ait des trucs beaucoup, beaucoup plus intéressants dans les collecteurs. Ouais. Enfin, je pense que ça va être surtout la fin des niveaux 1, comme tu le disais. Genre, mm -hmm. genre juste des, des covers. Ça, enfin, mm -hmm. ça va pour moi disparaître de plus en plus. Mm -hmm. Pour laisser place à. Vu la marche qu'ils se font, je pense qu'il vont quand même passer ouais. un moment à investir dans des goodies un peu plus intéressantes. Quitte à le tome un peu plus cher. Ouais. Du coup, parce qu'il y a du avec à l'intérieur. Bah on est prêt à mettre le prix. Enfin, je pense que les, les fans sont, sont, sont prêts à mettre le prix. D'ailleurs, c'est peut-être une, une des dernières questions qu'on va on va pouvoir conclure tranquillement. Euh, finalement, euh, est-ce que on serait pas de plus en plus dans l'aspect euh, collection, quel collectionniste on va dire entre guillemets dans, dans le manga C'était déjà le cas depuis longtemps, évidemment. Même moi, je suis, je suis très collectionneur. J'aime bien avoir mes tomes chez moi, etc. C'est cool. Mais là, avoir des, des collecteurs en plus, et même moi, en vrai, je suis tellement un peu matrixé, j'avoue. Hein. Je fais, euh, j'achète des collecteurs et je les ouvre pas je les sous blister et je vais acheter le tome normal derrière pour lire le tome normal c'est à dire que le tome collector je le garde dans son plastique Pareil. pour ne pas le toucher exactement est-ce que c'est finalement euh, c'est finalement pas pas ça aussi le, le truc c'est que ben, les collectors dites-moi dans le chat hein, qu'est-ce que comment vous faites vous est-ce que vous les ouvrez vous les lisez parce que moi le collector pour moi c'est pas fait pour finalement c'est peut-être même pas fait pour être lu mais en même temps si c'est un manga donc tu es censé es censé ah, le lire donc euh... le temps, je touche pas hein. mais, mais moi je touche pas je ouais. sais pas comment vous faites vous mais ben moi ça dépend vraiment en fait euh, j'ai envie de dire que ce soit pour le manga ou pour n'importe quel autre produit culturel avec euh, vraiment le numérique qui est monté énormément aujourd'hui tu peux totalement acheter pour te dire j'ai un objet de collection j'ai acheté et comme ça soutenu euh, toute la chaîne notamment les éditeurs l'auteur tout le monde qui a bossé dessus et tu te dis j'ai une partie et à la fois je peux lire en numérique, soit justement via des services comme Manga Plus, soit en payant ton chapitre en numérique, ou de n'importe quelle autre façon. Donc, euh... Donc je pense aussi que c'est un aspect vraiment qui est nécessaire. Ça peut paraître un peu malsain quand on peut le dire, voilà, justement, t'achètes des trucs et t'es ouvre jamais, mais, mais c'est aussi ah, quelque chose que de nécessaire. Un... C'est une petite parenthèse, c'est qu'un manga, avant tout, c'est une fait, 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 voilà. fait pour être mmh. lu. Hein. C'est pour ça que le, le collector c'est... À la fois bien parce que pour les fans c'est cool et d'un côté j'ai peur que ce qu'on qu privilégie et qu'on qu mette en avant plus l'aspect collection, ce qui est très bien aussi et j'en suis un de collection donc je peux pas euh, jeter la pierre sur les gens. Euh, mm. Après je sais que pas tout le monde a le moyen de s'acheter deux fois le tome et c'est normal hein, évidemment que euh, de pas pouvoir. Euh, donc je comprends aussi totalement ceux qui, qui les lisent et qui les ouvrent et faites-le même je vous encourage donc, concrètement en vrai, il euh, n'y a pas mm. de raison ça reste un objet faut pas non plus le mettre au-dessus de l'œuvre de, de que, que c'est. Ouais. Et, euh, et un manga, c'est fait pour être lu avant que euh, pour être rangé dans une, euh, dans une étagère. Même si, en vrai, généralement le manga, tu le lis une fois, après il reste dans l'étagère. Peut-être que tu le reliras une fois dans, le, dans, dans 10 ans. mais... Euh, je donc, je voilà. pense aussi. Moi, c'est purement personnel, mais ça se trouve, on est tous à avoir un peu cette pensée profonde, limite à l'avouer ou pas l'avouer, mais je, je ne sais pas. Qui est de se dire, on laisse un truc sans parce qu'on ne voit pas la nécessité absolue de le déballer. Et on se dit, je pense toujours dans notre tête, si un jour. J'ai un problème d'argent et que ça vaut de l'argent, je peux peut-être m'en séparer pour me dire bah ça peut peut-être me sortir de la merde. Je pense que en fait on est tous un peu des scalpers. Euh, <laughs> s'en rendre compte d'une certaine peut façon. Peut-être. Peut parce peut que peut moi je me dis souvent ça. Je me dis des fois par exemple je ne déballe pas parce que je ne ressens pas trop le besoin. Par exemple je ne sais pas c'est je ne sais pas une figurine dans une boîte etc. Où tu te dis tu vois la figurine tu n'as pas besoin de la déballer et tu te dis si un jour j'ai un problème d'argent et que je suis vraiment dans la merde tu le revends et puis comme ça, tu peux te dire, ça se trouve, ben, tu peux peut-être garder ta maison ça trouve, <laughs> grâce à ça. Donc, Mais euh, voilà, je, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Les amis, on va pouvoir conclure tranquillement le dossier euh, de la semaine qui était consacré aux éditions collector de manga. En vrai, c'est trop bien, les collector de manga pour les fans. Quand tu es fan de, de, des séries, avoir des petits goodies en plus, ça fait toujours plaisir. N'achetez pas chez les scalper, je le répète, oui. qui t'a acheté le top normal. Achetez le tome normal, allez soutenir vos libraires, c'est important également. Euh, N'hésitez pas à aller checker s'ils les ont, ils les ont très certainement, ils les en reçoivent souvent. Euh, et souvent, ils limitent à une personne, du coup, vous pouvez très facilement euh, en avoir. N'hésitez pas à aller euh, les voir. Les amis, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec euh, le Game Center. Du coup, c'est parti, jingle! Les amis, le game center, c'est peut-être ma partie préférée de l'émission maintenant. C'est vraiment le quitte parce que je suis en roue libre, je peux poser le, la tablette et, et juste rigoler avec avec mes potes. Euh, Aujourd'hui, les amis, ça va être un jeu qu'on, bon, qu a appelé Guess Au final, je vois dans, dans, dans on va l'appeler Guess What pour l'instant. Euh, c'est simple, le jeu vous aurez et on aura plusieurs à l'écran vous verrez hein. il y a des couvertures de mangas de tome 1 les tomes 1 de couvertures de mangas qui seront du coup floutés ou pixelisés et euh, on va devoir deviner quel manga c'est tout simplement donc on va faire chacun son tour je pense euh, on ne compte pas dans l'ordre des aiguilles d'une montre je pense donc moi en premier ensuite Kai ensuite euh, Mystère d'Orient vous pouvez jouer dans le chat également n'hésitez pas je vous interdis de regarder le chat s'il vous plaît hein. ah ouais. je ne sais pas si on peut nous l'enlever mais au pire c'est pas grave on ne on ah ouais. pas y vous le coup, aurez hein. les points en bas c'est ah ouais. super c'est magnifique il y aura des tomes du coup faciles qui vaudront 1 point, moyen 2 points, difficile 3 points, ça va être, j'espère, euh, corsé. Et je dois battre Kaizoku, qui euh, a la victoire pour l'instant, depuis ben, même deux semaines d'affilée, parce que tu as, t as ah, gagné on avec, on en va équipe. On les comptes à la fin de l'année, enfin, à la fin de la saison 2, 2 du coup. Euh, on prend le les comptes. Long de victoires, en vrai. Si tu veux. N'hésitez <laughs> <en vrai, rire> si, si pas à jouer dans le chat, vous jouez entre vous, évidemment, le premier qui trouve, voilà, ça, ça, fait toujours, ça fait toujours plaisir. Par contre, ce serait bien qu'on nous coupe en vrai le À la limite, si on euh, peut nous le... enlever le chat. Parce que le problème, c'est qu'on va voir. Euh, on a obligé de regarder l'écran pour, pour regarder le truc. Donc si on voit le, le Genre, chat. Voilà, ouais, parfait, voilà. Parfait. Voilà, parfait, merci. Nickel. Parfait, on n'a plus le retour de chat. On ne peut plus tricher à partir de maintenant. On va vous afficher à l'écran la première couverture euh, de manga du coup qui sera floutée. C'est un tome 1. Et on va devoir deviner. Vous pouvez jouer avec nous. Je vais commencer. Si on peut nous la mettre. Et là, c'est la. Niveau. Quel niveau de difficulté oh, Ça va. Là, c'est le niveau facile au début. <laughs> Je pense ouais. que vous l'aurez dans le chat. Ça va Attends, être un moyen difficile. Je, 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 vous laisse, je vous laisse répondre <laughs> quelques secondes hein, dans, dans, dans le chat. Il s'agit oh, de c'est. Ce Merde, j'ai oublié Eden Zero. <rire> <rire> férité, oh, en fait. oh, je, voulais, je voulais faire la vente de Eden Zero, mais j'avais Eden Ring dans la tête. Je crois. <laughs> Donc, euh, férité évidemment férité donc, euh, donc premier point euh, facilement gagné. Bon, Et là, mine roboco. <laughs> <Rien rire> <à rire> <voir>. Couvert <laughs> feriteel. Bon. Yeah, on commence facile, hein. On commence facile, les amis. Voilà, vous avez la réponse. Il s'agit évidemment de Tail, le tome 1. Oh, ça va se forcer. hein. vous inquiétez pas. J'ai dit un truc. Je suis. Est-ce que oh, vous avez pas fait un truc du genre vous avez mis du mine roboco en mode Ah, tu crois que c'est ça Mais en fait, non, c'est une cover mine roboco. Ah, on, oh, on, on, verra. Verra. On, on verra. On, on verra. Bien. Oh <laughs> non. Allez, image suivante. Oh non. Alors. <laughs> bon, on commence tranquillement les amis. Vous êtes toujours dans le chat. Je suis sûr que vous l'avez tous eu évidemment. La deuxième image, c'est Black Isuzu qui va, euh, qui va, qui va jouer tout simplement. Mm. On est sur du facile encore, je pense. On oh, est sur facile, je euh, pense. Il oh, de... Ouais bon. Alors là. Oh. 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 oh là. Il est juste là. Hein. Ouais. Bon. Bah. <laughs> Il <y a> quelques <laughs> secondes pour les gens quand même. Répondez dans le chat très rapidement. Mais vous l'avez un. La 5, 4... 3, 2, 1, vous la mettez. glitch. non, je vais <laughs> <Je suis> gagner. <pas rire> <laughs> Allez, du Tsukhaisen, évidemment. C'est chez Kiyun, c'est excellent, on aime beaucoup. Euh, et moi j'ai aimé Deltomain, hein, franchement, en vrai, je joue quand j'y pense. Euh, Deltomain, ça, ça... Moi j'ai eu du mal. T'as du mal J'ai du mal, moi j'ai dû accrocher au Tsukhaisen. Je veux dire, visuellement... 4 ou 5 Non. En vrai, visuellement, moi, Deltomain, c'était.. Ah, visuellement, ça allait, mais... Ok, très bien. On va enchaîner. Voilà, un point. C'est magnifique, j'adore que le petit compteur en va. Un point, inspecteur. Un point, Kaizoku. Mister Dorian, ça va être à toi de jouer. Est-ce que tu auras Et là, ça va me donner un manga obscur de 1968. <laughs> tu, tu mériterais un petit peu, je t'avoue. Euh... <laughs> oh non, ça rigole, j'ai peur. On va voir ça tout de suite. Hein. Peut-être que, que Mister Dorian va avoir un truc difficile. Mais normalement, on commence facilement. Oh là là. Oh là, là. Oh là, là. Oh là, là. C'est un peu trop facile à mon goût quand même. Là, il va falloir très vite corser le, le jeu. Parce que... oh, façon, je sens que ça va monter vite. Calme-toi, je sens que ça va monter vite. J'espère, j'espère. Parce que là, bon, il n'y a même pas de suspens. Mm, oui. C'est un des tomes les plus vendus de l'histoire en France. Oh. Naruto. Oh, c'était Black Lover. <laughs> Allez, oh. on <faisons> hein. <laughs> Ok, c'était Naruto. Magnifique voilà. couverture. J'aime beaucoup la couverture, les, les, même le style de Kishimoto de l'époque. Mmh. Je ne sais pas ce que l'on en pensez. Un, mais point. un, pas point un produit, <laughs> euh, Je ne t'en pour Les de Kishimoto de l'époque, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Moi, j aime j aime le, le Je préférais, enfin, je ne vais pas dire que je préfère ce qu'il qu a fait plus tard, hein. ouais, il s'est quand même amélioré de ouf. Mais euh, c'est un trait très, très, euh, très personnel, je trouve. Il s'est vraiment son ouais. à lui et, et c'est vachement cool. Donc. Euh... Donc voilà, on va continuer. Est-ce que dans le chat vous êtes chaud J'espère que oui, je n'ai pas de retour. Euh, mmh. Mais je pense que voilà. Ils sont chauds dans le chat, on, on fait signe que oui. Euh, bon, pour l'instant, on commence facilement, je sais que vous oui. les avez. Peut-être que ce sera plus tard. vous Et... avez ouvert un manga dans votre vie. Bravo. Voilà. Allez. <laughs> <laughs> Imaginez. Ah, ah, là c'est plus dur. On mais commence, je commence à voir. petit à petit à ah, avancer. Bon, je vous laisse d'abord un petit peu répondre hein, dans, dans, dans le chat. Moi, je l'ai directement. Vous l'avez aussi tous les trois, je pense. Je pense aussi. Je pense que vous l'avez, on en a parlé tout à l'heure, hein, on, a... enfin, on a parlé du duo. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion, bon, on va en parler un petit peu après. bon C'est Bakuman, tome 1, évidemment. Euh, Est-ce que vous avez lu le chapitre euh, du, euh, du nouveau manga Non, non, pas encore. Parce qu'il est sorti sur. Je sais pas si que le manga je lis. Je l'ai vu passer mais... à chaque fois, je... À chaque fois je, me vois passer, je me dis Ah, mais ça, faut que je lise, faut que je lise. Euh... C'est quoi le nom déjà Alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est un truc. C'est comme Bakuman, on va dire, mais c'est un duo d'humoristes. Tu vois, Bakuman, ouais. le duo pour devenir mangaka, et bah, ils veulent devenir humoristes. C'est voilà, le <laughs> one euh, man show à la japonaise. Et en vrai. J'ai lu que le premier chapitre, c'est sympa pour l'instant, c'est très shonen. Alors c'est pas Oba c'est pas au au scénario, c'est un autre scénario un autre scénario, je ne sais plus c'est qui, euh, mais c'est Obata au dessin. Okay. Et, euh, et en vrai, bah, en fait je l'ai lu en anglais et il y a beaucoup beaucoup de tables techniques, donc c'est un petit peu chaud. Et en fait l'humour japonais est un peu spécial. Ah, donc, ouais. Déjà, je, je suis même pas sûr que des fois que les ben, on que tu lis en anglais, donc déjà t'es un peu biaisé okay. par l'humour. Et traduire des blagues en, en japonais, en anglais, ou bon, en français d'ailleurs si ça sort en France, et ça sortira en France très certainement, mm -hmm. euh, c'est un peu chaud. Donc j'ai un peu peur pour la suite du manga, je vous avoue, bah, bah, mais c'est très shonen, c'est cool quand même. Maintenant j'imagine, euh, tu, tu sais, une scène d'humoriste avec des scènes shonen, euh, du Sawano da... <laughs> J'imagine trop un concept bon, comme ça. On verra bien, on enchaîne avec euh, l'image suivante. Euh... S'il vous plaît, euh, si on peut nous afficher l'image suivante, on va... C'est que Black du coup qui, ouais. qui, qui va jouer euh, au jeu. Ah. C'est plus dur Non, ça va. Oui, oui c'est pas un peu plus dur bah, C'est pas Naruto non plus. Tu vois. Ah, ah, bah, bah, bah déjà, euh, je, euh, je remarque le petit Kiyun donc, euh, Le petit Kiyun en bas à gauche. Et Ils sont peut-être par là. C'est un manga que... Enfin un manga et un animé que j'aime beaucoup. Donc c'est Golden Kamuy Évidemment. Voilà. Ah, Tome 1 de Golden Kamui qui est excellent manga encore, qui mériterait bien plus encore de visibilité. Je sais, je sais que bah, le manga est... Il est connu, hein, mais euh, il ne vend pas non plus euh, des milliards d'exemplaires. C'est pas ce que ça devrait être. Malgré mm -hmm. l'anime ouais. qu'il a, l'anime n'a oh. pas non plus l'impression de donner un, un vrai boost au monde. Oh. En vrai, Golden Camus, je me rappelle plus de ça. C'est un peu comme un... Spectre Brothers, tu vois. C'est un peu pas le même Wars, plan, délire. Tu vois. Mm -hmm. Pas en termes de manga, mais je veux dire, Spectre Brothers mériterait beaucoup plus que ce qu'il a. Golden mm -hmm. Kamuy, c'est pareil. C'est les mangas que, en vrai, tous ceux qui l'ont lu, c'est unanime, c'est incroyable. Et ceux qui l'ont pas lu, ben, ils, ils sont bah les je, amis, En vrai, je jamais vu un avis négatif sur Golden Kamuy. Pareil pour Spectre Jamais vu. Pareil, on est d'accord. Euh, ça fait deux points chacun pour moi et pour Kai. Et Dorian va devoir répondre au prochain pour nous rattraper. Euh, ou en tout cas, être à notre peur. <laughs> on va pouvoir euh, jouer et ça va se corser plus stable. Vous voyez, là, on a commencé avec du Naruto. Oh. Ah, voilà. OK. Bon. ah oh, Star tome 1. Oui, effectivement. C'est bon, un petit peu comme les gens jouaient. les vite. Mais évidemment. J'ai speedrun. Désolé, j'ai speedrun le jeu. Là, j'avoue qu'il a speedrun le jeu. C'est star <laughs> Tome 1, excellent manga de Paru Itagaki, encore une fois. Euh, je crois que le, tome, enfin, le prochain tome sort dans quelques semaines. La semaine, pro semaine prochaine, c'est Dragon Ball. Bon la bon semaine prochaine, bon donc. Bon euh... bon <laughs> c'est Dragon <laughs> Ball. <bon rire> non, non, euh, j'en parle souvent, mais vous, en vrai, vous, vous aimez bien ou pas Moi, ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'ai ouais, fini de... la saison 1. Je, euh, je, je suis une honte. Faut que j'attaque la saison 2 et que je lise le manga. On est ici, d'ailleurs. Faut vraiment que je m'y mette. Et je trouve ça très, très bien. J'aime beaucoup euh, le personnage de Legoshi. Il est génial. C'est un super ouais. protagoniste. Euh, j'aime beaucoup les thèmes abordés aussi, c'est vachement... Moi, moi je trouve, euh, c'est les fables de La Fontaine en fait, tout simplement. Mmh. De à la version japonaise plus, plus, euh, plus, euh, plus euh, moderne, on va dire. Mais c'est ouais. tu prends des animaux et tu parles de la société, tu critiques la société euh, telle qu'elle est. Donc euh, j'aime beaucoup. Mais bon, je, je l'ai déjà dit assez souvent sur cette chaîne, mmh. je pense qu'au bout d'un moment... Ouais, euh, Ouf Ah Je l'ai C'est à que... moi de répondre Ou ça lui J'ai oublié. C'est à toi. C'est à moi non, Moi j'ai... Ouais. Très très bon manga. Chez Kurokawa, voilà, je vous donne un, un, un indice. Euh, c'est chez Kurokawa, c'est un euh, des mangas les plus. Euh, qui me mêle le plus de bonne humeur dans ma vie. Voilà. C'est un peu comme Spy, Spy Family, finalement. Spy Family, ça me donne de. t'es heureux, tu vois, quand tu lis Spy Family. Mmh. C'est le cas pour ce manga, vous l'avez très certainement dans le chat. Hein. Je vous laisse répondre pendant quelques secondes. Et Yotsuba, évidemment. Yotsuba. Yotsuba, évidemment, excellent manga chez, chez, chez Kurokawa. Il y a 15 tomes, je crois Ou 13 13 ou 15 tomes. C'était un quoi C'était un difficile, ça euh, un ah ouais, c'est même pas en fait on est en moyen on est en difficile là je joue en facile je, je sais pas euh... ça va alterne à part... ah, d'accord, donc on bah, met des points on verra attention ah, combien tôt. Ça, ça va les points euh, mais, mais yotsuba euh... on a changé ce sera un point dans tous les cas ah ce sera un point dans tous les cas d'accord ouais, donc non. on a changé finalement il n'y aura pas deux points trois points ce sera un point euh... donc ok pourquoi pas euh, donc Yotsuba, je vous recommande euh, mille fois évidemment ce manga c'est chez kurokawa il y a pas beaucoup de tomes et, et c'est une source de bonne humeur infinie. Black Kaijuku, ce sera à toi de jouer. J'espère que tu vas perdre. J'ai une victoire à, à prendre. <rire> Attends, <rire> je sais que tu vas perdre. J'espère que toi, on a, a, perdre. Il y, y a le coup de pression que Muro m'a mis euh, tout à l'heure. Euh, vous l'avez eu, le la stream vous commence Vous l'avez eu, Tsuba ou pas là euh, Ouais, je l'avais eu. Tu l'avais ouais, Non, je l'avais pas. <laughs> tu l'avais pas Ok, bon, bon ah. c'est pas grave. Peut-être que tu auras le prochain. Pour l'instant, c'est à Kai de jouer. Et je pense qu'à un moment Quand ça je... va très vite, euh, on va monter. Euh, ouais, j'ai peur, moi. Du coup, donc ça va être. Oh. oh, oh moi je me casse. Oh moi je me casse si oh <laughs> <laughs> Bon, vas-y, mais pas tu de fais vas-y. Une... Attends, là, tu vois, ouais. j'ai peur qu'elle fasse le piège de ou quoi, tu vois. Alors... Oh oh non, non. <laughs> non, non, d'accord, a... a... <laughs> Ça ressemble parce que c'est vrai que la corde... Bon. il y a le truc qui de là, c'est bon. ouais, ah, ouais. Tu genre vois bien, genre... euh, je ne pense pas que Muro soit... Soit vicieux, soit, pas. Soit <laughs> vicieux à ce point-là. <laughs> là, donc, c'était <laughs> My Academia. Voilà. Bokune mais non, Iro Iro jure, Mais c'est ton manga préféré, en hein, plus, ah, comment t'as pu te tromper Je me dirais Les Japonix. Évidemment, excellent manga encore une fois. Un jour, on aura une émission dédiée pour prouver que Meilleur Académie est ton manga préféré. Ok, a rien à prouver. trois partout pour l'instant. Et Mr. doit répondre, donc il peut potentiellement nous rattraper. Du coup, comme vous l'aurez compris, ça alterne entre facile, moyen, difficile. Et en vrai, bon, c'est pas plus mal, comme ça, ça donnerait un peu plus de suspens. Ça va avoir un temps de rosé. Ouais, c'est ce que je me disais. Qu'on soit juste, qu'on soit juste, s'il vous plaît. Allez, on va enchaîner avec. Ah, J'espère je que, que vous êtes chaud, dans le chat. J'espère que vous êtes J'espère que vous répondez, que vous êtes là, que vous kiffez. Je sais que le Game Center, ça je a été le, la partie de l'émission que vous aimez beaucoup. Euh, J'ai des très bons retours. et on, Même nous, je pense que c'est le moment où on ouais, est ouais, un ouais, peu. Un de, on est très très, On est un moment, très de, moment détente, on relâche la pression. Toi, avant la fin de l'émission peux... Ouais, ça fait du bien. Allez. Ah. ah moi, ouais. je l'ai. J'ai mis une petite seconde. J'ai mis une petite seconde. Ok. Bon. Laisse ce temps. Tu, 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 tu baisses les yeux sur la table, je pense que, que c'est fini toi là. Mmh. <laughs> bon, je vous laisse, on vous laisse quelques secondes hein, sur, euh, sur le chat. Mais je pense que je Je n'avais pas encore Je pense que coup. vous reconnaissez la coupe de cheveux au moins. <rire> <Voilà>. <rire> elle est assez, euh, elle est assez euh, et, reconnaissable. Et, et, et nous, le logo pour ceux qui ont eu les cartes. Aussi, aussi, aussi. Les cartes japonaise. Évidemment, Yu-Gi-Oh! tome 1. Effectivement, Yu-Gi-Oh! tome 1. Hop. D'ailleurs, Hop, ils volent les cartes. Je euh, Carte piège, met, mettez-moi sur mon ma caméra. Les cartes pièges les amis, si, euh, si je perds le jeu, je sors la carte piège comme ça. En passe cachée. Et je la retourne, mais c'est un monstre, donc je, <laughs> on s'en fout. Euh, mais, <laughs> vous l'aurez compris. Euh, C'était Yu-Gi-Oh, le Thomas, évidemment. Excellent manga d'ailleurs. Hein. Excellent manga on, on vous recommande également. Dites-nous euh, si ça ai d'ailleurs été... si un jour vous voulez qu'on fasse du Yu-Gi-Oh! -Oh, euh, sur pourquoi pas? Il y a des decks ici qui traînent donc. Euh, donc, euh, donc pourquoi pas? C'est à moi de répondre du coup à la prochaine, il me semble. C'est à moi de répondre. Est-ce que ce sera facile? -ce que ça... Après, il faut, faut quand même qu'on ait des. Que genre tout le monde ait le même niveau de facile et le même niveau de moyen. De même... Parce que sinon, si je tombe que sur des difficile et que vous, c'est des maillots au euh, c'est vrai que ça va être un petit peu biaisé. OMG. Oh, alors je l'ai. Je l'ai. alors là, je l'ai pas, tu vois. Je l'ai, euh, je, je crois, je l'ai. Attends, je vais regarde je bien. Ça me dit quelque chose. Ah ça me dit quelque chose, je pense que je Ça me dit un truc aussi, mais. Fait ouais, que je vais dire une grosse connerie. Hein. Alors, le logo, je sais pas si c'est ce logo-là, mais je crois que c'est ce logo-là. Je, je crois. Je vois d'un connerre point. Hein. Est-ce que dans le chat vous l'avez J'espère que vous l'avez. Euh... Ils l'ont C'est des monstres. Ok, je crois que je l'ai. Je vais laisser quelques secondes pour. Euh, mais s'ils si, 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 ont déjà répondu. Je pense. Ça ah, c'est une difficile hein, quand même. T'es mal à Mais du... <laughs> je pense que c'est Nana. Non si. C'est Nana, ok. okay. Oh. Et il, me fait, il me fait non comme ça de me là toi C'est Nana après bah, c'est Nana, évidemment Excellent manga, Nana pas qui, Excellent manga donc, euh... Ah, je, je connaissais même pas la cover du tome 1. Donc, euh, moi euh... non plus c est... C est... C est... Ah, tu chantes les gars J'ai lu Nana dans ma vie, donc je, 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 je sais à quoi ressemble okay. la couverture. Et je l'ai ai lu assez rapidement, donc je suis assez fier de moi pour le coup. Mais dans le chat, je sais que vous êtes encore plus fort, vous l'avez eu encore plus vite. Frame 1. Mais euh... Mais voilà, ça fait oh. du coup. En vrai, mais t'es plusieurs points quand c'est des trucs difficiles comme ça. Mmh. <laughs> Parce qu'en vrai, moi, lui là, il m'aura qu'un après. Bon, 4 points. Euh, c'est quelques qui va devoir enchaîner. J'ai eu le nana euh, excellent mon gars. Encore une fois que je... qui n'a jamais eu de fin, qui n'aura jamais de fin, à mon grand regret. Mais, euh, mais c'est la vie, c'est comme ça. J'ai fait mon deuil. <laughs> j'ai fait mon deuil, j'ai accepté. Là, je me dis, le, le jeu, c'est quasiment le premier qui va répondre faux en fait. Ouais. C'est ce qui va arriver. Oula. Et le prochain Ouf. va être apparemment. Ah, c'est toi Parce qu'on. Non, je ne regarde pas. Je regarde pas, je regarde pas. C'est la régie qui nous regarde. En fait, moi, moi je bien. suis tout droit comme ça et je suis en mode. Euh, à chaque fois, j'essaie de détourner le regard et de regarder ailleurs. Si okay. vous voyez qu'il se porte sur la, sur la droite, il triche. Ah, alors, je l'ai moi. Je l'ai frame 1. Je l'ai frame 1, celle-là. Oh, et je sais oh, que dans le chat, vous l'aurez parce que j vous, êtes vous êtes des bontes. Vous êtes des refs. Excellent manga, ça. Ou pas. Je donne un cannabis. À partir de maintenant. <laughs> si, attends, j'ai le droit de répondre moi <laughs> <laughs> Moi, je peux bien répondre, les gars ah, mais comme ça, d'accord, oh, vas-y. Oh merde, la réponse <laughs> Let's go, je vais gagner ce jeu. Il l'a pas Je l'ai pas fait. Wouah Imagine, je l'ai eu wow. prime 1, je l'ai pris, hein, pris. Ils l'ont dans le chat. Ils l'ont dans le chat, évidemment. Évidemment, évidemment, vous l'avez dans le chat. Si c'est un manga que j'ai déjà lu, je, je vais serrer. Vraiment. Je peut-être déjà lu. Ah bon tu... Non, je pense pas qu'il l'a lu. Je pense pas. À voir. Pas que je sache. Oh. Du coup, Dorian, tu l'as pas non plus J'ai lu ou lu Je sais pas si c'est un animé, mais. Les gars, il faut avancer. S'il ne un pas, tu me dis. On... C'est dur, c'est dur. En fait, il y a un nom que j'essaie de me souvenir en tête. Tu, tu penses que c'est. Bah, Décris au moins euh, le, le truc avec les, les Bouddhas qui envahissent le au Japon. Non, c'est pas ça Très bien. Ah, bon, je vais répondre du coup. Hein. Je vais prendre le point. Les amis, mon auteur préféré, Naoki Urasawa, c'est chez Pika. Ah. Il s'agit de Billy Bat, évidemment, les amis. Billy ah, Bat 1, oui. hein, euh, avec le goat sur la, sur la couverture. Du coup, Billy Bat, je prends le point sur ça, les non. amis. Et l'inspecteur s'envole. Mais j'ai lu Libat, putain Allez ah Libat Ah non Terrible Kevin, le GOAT Je sais... Oh là là Le Fou, il était, il était incroyable pour le coup là. Là non. Ah ouais, oh. comme les autres, ah ouais. Et je autres, c'était un hein Au, au fait c'était quoi oh, du coup C'était quoi, quoi le manga avec les bouddhas Je me rappelle plus son nom. Euh... Merde. Seven, yeah. quelque Il y a 7 dedans, je crois. Euh, ah merde, j'ai un trou de voir d'un coup. Oh, tu me mets un trou! Oh putain, Tu me mets un trou? Déjà, moi le suivant là. Oui, t'as Ah, tu me mets un trou? T'as un tomes, je crois. Je sais pas. Peut-être dans le chat, on nous le donne. On verra pas, on pas. Bon, on pas, donc tant pis. c'est pas grave. Mais le manga était cool en plus donc c'est. excellent manga de Naoti Urasawa. Un de mes préférés, trop sur le côté à mon goût. Mais, euh, très, très cool. mais très très bon aussi, ça parle okay. de beaucoup, beaucoup de choses. oh Five minutes forward. Ah oui bon. Oui, 5 minutes forward. 5 minutes forward. 5 minutes forward. Ah Alors là, on en a parlé tout à l'heure. Tout à l'heure. <laughs> donc si tu l'as pas... Bah, tu l'as jamais. Et c'est un animé qui m'a brisé, donc euh... To Your Eternity. Les et tomes ils sont juste là en plus. En <laughs> haut. Oh. Donc euh, Toujours Eternity, effectivement, on va pas faire de débat, c'est le tome 1. Ouais. Et chez Pika également. Gougou c'est magnifique. C'est magnifique. La couverture est magnifique. Hein. Oui. Vraiment, euh... ouais. Les couleurs, enfin le, le ciel derrière. On rappelle que c'est l'auteur de Salon Voice aussi. Silent Voice que je, que 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 un manga que j'aime beaucoup, un film aussi, de... que j'aime l'opening. L'opening. L'opening, ouais. Oh. Effectivement, effectivement, c'est plutôt pas mal. Ah. 5, 4 et 3. Euh, pour l'instant, je mène la danse. <laughs> Mais pour combien de temps Peut-être que je vais me demander à... à, à L'inspecteur mène l'enquête comme il mène la danse. Exactement, ah, tu vraiment, connais bien euh, le slogan. Bien, euh, du coup, ça va être adorant de jouer avec le prochain. Il va falloir je, accélérer même, je, 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 je suis pas accéléré quand les amis. Je suis pas le premier à avoir fait, donc je suis content. C'était la seule fois dont j'ai. En fait, vraiment, la, 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 je l'ai lu Après, j'aime beaucoup Billy <laughs> Bat aussi, tu vois. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai... Que... C'est pas, pas genre dans ton. T'avais pas dit genre, une fois, c'est dans ton top manga de... <laughs> Non, oh, je l'ai. Oh, je l'ai, je l'ai. Let's go, je prends le point Let's go Let's go Non, tu ne pas, non Si, je l'ai vraiment prêt. Je l'ai quand même, mais. Oh non, pas toi. Pas après tout ce que tu as fait, monsieur. Ça me dit quelque chose, mais j'ai plus... Euh... Tic tac, tic tac, tic tac, tic-tac. Je vais gagner ce jeu, je vais oh, gagner ce jeu. Oh, I God. love this game, tu l'as pas Il s'agit, et vous l'avez dans le chat, évidemment, Radiante, les amis. Ah oh, putain. Radiante, Radiante, Radiante. Et oui, les amis, animés, ça oh, français, on aime beaucoup. Oui. Du coup, euh, du coup, on l'a quoi Tony valente, Tony je... valente qu'on embrasse, évidemment. Je suis désolé. Bon, tch, un boss. Il est très sympa. Il est très fort. J'aime beaucoup ses dessins. Cover aussi, je sais pas si tu vois ces illustrations. Ça avait complètement zappé, oh la vache! Dans le chat, ils ont eu frame 1 aussi, hein, je pense. C'est évident, ils l'ont complètement zappé. J'ai 6 points de coup, il me semble. 6, 4, 3. Ah. Regardez-le avec son sourire. Hein. <laughs> Moi, je le <me> pour <laughs> gagner, les amis. Il n'y a pas de jouer pour s'amuser. On joue. Pour la gagne. <laughs> j'ai perdu deux fois, une fois à cause de lui là. <laughs> la semaine dernière, moi j'ai oublié, c'était ma faute, mais j'ai touché que dernier moment j'ai le seum, mais c'est pas grave, c'était mérité, c'était toi qui a gagné. Mais cette fois-ci, je repartirai gagnant ah, et un Grâce à de Là, je pense. Ah là là. Euh, tu l'as C'est un peu ah, c est c est... Dur, Attends, quelques, dans Quelques secondes pour les gens quand même. Quelques <laughs> ouais. secondes pour les gens. Vous l'avez dans le chat également. Pourquoi j'ai je vais ça C'est solo leveling. Effectivement, solo mais leveling, Mais je l'ai toujours pas lu. Mais c'est en catégorie ça, c'est pas un manga quoi. <rire> <rire> Non, ça passe, ça passe. <laughs> euh, solo leveling, le tome 1. Voilà, la couverture super belle également. Ouais. Il l'a reconnu. Ouais. Vous l'avez reconnu également. Lisez solo leveling. Lisez, lisez, lisez. lisez solo leveling. c'est vrai. J'ai pas... lu les deux premiers tomes, mais pas le reste encore. Il y a trois ou quatre tomes qui sont sortis là. D'ailleurs, tu as eu un collector le dernier je crois. Donc on en parlait tout à l'heure, mais ah bah il coup. a eu un collector avec un petit marque-page en pomme d'épée je crois. Je... Je... Un coffret collector, ouais, un truc, je sais plus, mais, mais je sais plus ce que c'est. le temps. Ouais. Je, je, je crois qu'il va bientôt se terminer d'ailleurs. Euh, le, 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 le. Oui, le Parce qu'à qu la base, c'est tiré d'un light novel, d'un webtoon, d'un roman ou un truc comme ça, je crois. Je dire. Ok, ok. Du coup, c'est à moi la prochaine Ah non, ça dorian Ça Quelqu'un ah, okay, oui. il a eu. Du coup, c'est à Dorian. On est à 6, 5, 5, 3, même 3. 4, bientôt. Ou pas si, euh, si Dorian ah, pale J'ai peur <laughs> J'espère que Dorian va faire et qu'il va récupérer son point derrière lui <laughs> Bon, on verra bien. OMG, je l'ai. Ah, je l'ai Putain, comment, ai. comment, comment ça s'appelle Je l'ai. Let's go Comment ça s'appelle Tu contribues, tu contribues Je, je sais, je sais, c'est le putain de truc qui... qui... Le... L'auteur de merde, là. Enfin, je le je de la <laughs> oh, mais, ouais, La qui qu a ce qu'il a fait, on peut mal parler. Le défunt, le défunt ah, oh, c'est atroce J'ai vu le titre On te laisse 10 secondes, 10 secondes. Euh... 1, 2, Nonce. 3, 4. Je pense à Xela. Xela, putain Xela, on, 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 on voit tes ondes Il doit hurler, On voit tes ondes 8, 9, 10. Bon, tu l'as pas. Tu l'as pas. Il s'agit, <laughs> je le je dis. 1, je prends son oh. point. Je grignote son point. Putain. Il me peut stresser, là. Actage. <laughs> bon, putain, voilà, Et je l'ai pas dit acté. J'ai pas fait le... le, le... J'aurais dit acté, j'aurais pas eu le point. Voilà, je, je vous le dis. Actage. Oh, Chez Kiyun, terminé. Pour la raison que vous connaissez, on en a parlé. Mmh, mmh. On euh, embrasse la dessinatrice qui est excellente. Force à la dessinatrice. D'ailleurs, euh, elle s'est ouais. euh, lancée sur un nouveau projet, il me semble. Encore Ouais. Bah, c'est le... bah, très bien et en plus, ça donne envie. En vrai, à son histoire. Euh... J'étais pas bon, en vrai. Et autant L'autre, elle avait fait un one-shot par un chapitre mmh. avec je ouais. Autant, je savais pas que. Là, ça va être une série ou ça va être. Un... Euh, là, euh... là, je crois que c'est un one-shot. Il okay. nous reste quand même un manga euh, derrière. Là. Parce qu'en vrai, on, est... on... on arrive tranquillement sur la fin de l'émission. Enfin, peu... Je pense qu'on fait un dernier tour de table ou. Non, mais si on perd ce que j'ai gagné en fait. On va quand même jouer un petit peu, encore. Non, c'est marrant, on est là pour jouer. Allez, moi j'aime bien, j'aime bien jouer. Je l'ai Je crois que je l'ai. Peut-être que j'ai dit des conneries, mais si, si je crois. Je crois. T'en es encore un, ça me dit énormément un truc, mais je l'ai pas. Ah, j'ai un doute maintenant. Attends, j'ai un doute là. Si, si, je crois que je l'ai. Le chat là. Ouais, ils sont pas. Ouais, non, mais ils ont tout. Je crois que je l'ai. Attends, 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 attends. C'est les tricheurs et voir sur Google l'image. Non, ils sont juste. Ils euh, sont très intelligents. Est-ce que, que, que c'est est pas, pas l'auteur qui m'a bloqué Quoi <laughs> ah, ah, C'est pour ça alors qu'il sait pas. C'est pour ça qu'il sait pas alors. <laughs> Il est pas contre le manga. <laughs> attends, attends, attends. Non, mais je sais, je sais. Je lis son deuxième manga qui est en cours. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ou pas. Je sais pas en fait. <laughs> Allez, 10 secondes, 10 secondes qu'on peut pas rester 8-5 minutes. Tu l'as ou tu l'as pas Attends, compte, tu veux. Mais... Dans ma tête. <laughs> ouais. Allez, 8, 7, 6, 5, 4. Bon, non, tu l'as ou pas Coup bon, enfoiré bon, <laughs> euh, Tu l'as à ou pas Non, je l'ai pas. Je crois que c'est ça. Euh, je lis pas euh, le, le manga du New c'est euh, Hitman machin là, les coulisses du manga, je sais pas quoi, voilà. Euh, et fuck Reborn, voilà, parce que... J'allais dire Hitman Reborn, en plus fait. euh, J'ai <laughs> fait, fait pour que, que je À la fin dans Reborn, <laughs> il y a Hitman, donc ça me fait chier, donc fuck Reborn, Reborn J'ai vraiment failli dire Hitman fait fait énormes <laughs> J'ai pris <j> <laughs> des yeux énormes quand j'ai commencé à entendre Hitman, j'ai dit « Qu'en c'est Hitman Reborn ?» Hitman... Quoi hein? Il y a un commentaire de Xela, « Kai, je te hais ». Kai, je te hais, apparemment, <laughs> Xela dit dans le chat. J'ai écrit mon Bon les amis, euh, <laughs> en vrai, on a beaucoup de mangas encore ou pas On fait un dernier tour Pour l'entertainment Bah on fait un dernier tour, vraiment mais c'est le dernier après on arrête. Le prochain, c'est quelqu'un là, ah. la 5 ah. points direct. Allez, c'est... C'est moi le prochain Pourquoi non, non 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 mais <laughs> non mais non, mais non. <laughs> Ah non attends, on joue on joue tous ensemble ouais. Personne ne l'aura pas. Personne ne l'aura. Personne ne vas-y. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, le gars. La théorie me remonte. Il n'y a pas de 5 points après, je veux gagner j'ai mérité la gagne, quand même. Vas-y bah balance. Apparemment, voilà je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, celui-là, personne ne l'aura, même dans le chat vous ne l'aurez pas, de ce qu'on me dit derrière la caméra. Euh, celui qui là, il est vraiment chaud. On va voir. On va voir. Moi, je demande pour l'instant. Je n'ai pas eu de prise comme ça. Pour ouais. l'instant, on ne m'a pas fait trembler. J'ai envie de dire. Rien ne m'a fait trembler. Pas même non. Nana, pas même. Oh non, je, je sens un truc sur un fond uni avec un petit truc. Peut-être peut que ça va être. Euh... un chaud. truc donc... Apparemment, il y, y a un big piège. On va dire que c'est le dernier, mais on, on va s'arrêter là après. Alors, on va l'avoir dans quelques secondes. <laughs> Alors Quoi C'est un manga On dirait limite une cover d'animé plutôt. Ça fait trop bizarre. C'est un film carrément. on a un film. Moi je vois Tintin et je sais pas qui est. Il est dans le chat ou pas Dis-nous si dans le chat Personne ne l'a dans le chat. Ah, mais vous êtes des gamins là. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes en haut. Est-ce qu'on l'a vu On l'a vu On l'a lu. C'est un manga qu'on a on lit. lu peut-être pas. Vous avez vu c'est un manga qui est sorti en France, par contre. Hein. Il est sorti en France ou pas euh, Le manga euh, Je ne dis pas du tout. Il n'est pas sorti en France. Il n'est pas sorti en France. Ils il aiment même tricher comme ça déjà, tu vois. <laughs> euh... Un indice, ouais, C'est quelque chose que vous avez sûrement regardé. On a regardé. On a regardé en animé, mais on ne l'a pas lu en manga en parce qu'il n'est pas sorti. Pas enfin, forcément ah. en animé. Oh on l'a pas vu. Bah c'est une série ou un film logiquement du coup. Bah c'est bien un film du coup. Ah mais c'est une affiche de film, en fait, c'est des bâtards. Non, <laughs> mais... non, non, non. Non, bon. C'est la couverture. Non. Non, Alors là les oh, amis... Là, hein. Personne ne l'a dans le chat. C'est pour ça qu'il vaut 5 points. Hein. J'ai envie de... Vous avez un titre que en... vous voulez tenter ou pas en vrai Je pense que je vois à 3 directs, hein, parce que quelqu'un <laughs> qui qu tente, hein, parce que sinon... Non mais euh, je ai ouais. pas, en vrai, j'arrive pas à... Un truc qui va être adapté. Un 10 bah, Par contre là, euh, ça sera pas à 5 points. C'est l'adaptation d'une série télé qui a énormément euh, marché en France. C'est quoi ces conneries là une américaine. Une Série américaine. Série américaine qui a été adaptée en manga. Pas Kamen Rider Non. Bah non. Ah, ouais. ah. C'est une série américaine à la base. J'en sais ouais. rien. En vrai, je ouais. je suis même pas né, je même pas Aucune foutue idée. Non, toujours pas. On se... Bon allez, vas-y balancer. Ouais. En vrai, c'est quoi ces wow. conneries là Vous faites des bêtises. <rire> <rire> des bêtises. <laughs> Oh, gamin. Gamin. Ils, sont, ils sont fiers d'eux en plus, ils sont contents hein, ces gamins. Sont... Désolé mais tête en plus Je suis pas au courant, je suis pas au courant de, de ça. Prison break est adapté break en manga. Une adaptation en manga. J'étais pas au courant et je. leur oui. ai préparé de ne pas savoir. Bon les amis, combien de points du coup 7, 5, 3, je pense comme ça Est-ce qu'on a un récap des points pour, pour terminer euh, 8, 5, 3. C'est une victoire écrasante de l'inspecteur. Ah. C'est mérité. Après trois émissions. J'étais frustré, il fallait, que, il fallait que je gagne. Et c'est chose faite. <laughs> bon, les amis, c'était très très cool. J'espère que dans le chat, dis-nous, en hein, fait, nous, vos retours, hein, si vous avez apprécié ce passage. Moi, c'est vraiment mon passage préféré de l'émission maintenant. Je, je kiffe. C'est une break en manga. C'est que, que du kiff. Je m'en souviens un C'est une break en manga. Par contre, euh, on vous déteste la régie. Je m'en souviens un Red là. Euh, on ne <laughs> vous aime pas. C'est <laughs> chelou. Et, euh, et j'espère que vous jouez, que vous kiffez. et On va en faire de plus en plus. Ça va être très très cool. On a plein d'idées pour les prochaines. Ça va être très sympa. Merci euh, mes amis Mystère Dorian et Black Kaizuku, j'espère que vous avez passé une bonne, une bonne, soirée, Très avec bonne moi. soirée comme d'habitude ouais, C'était un plaisir. Réellement. Merci à Crunchini et à Sumine, à la régie. Merci à Nelson euh, sur les réseaux sociaux. Pas merci à Xela qui était absent aujourd'hui car il était malade. On espère euh... la bonne grosse chaise qui a duré toute la soirée. Ouais. <laughs> on termine l'émission sur ça Vraiment euh, J'essaie de faire un truc propre. Et toi, tu, 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 tu on commence sur le caca, on finit sur le caca. Déjà. Très bien, très bien. Merci euh, Mister Dorian. Euh, <laughs> merci à vous, effectivement, de nous avoir suivis toute la soirée. Comme d'habitude, vous êtes les boss. absolus. n'hésitez pas à aller checker si vous avez raté peut-être au début de l'émission. C'est disponible en rediffusion sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite... Une bonne soirée, une bonne semaine et à dimanche prochain, même heure, même chaîne pour le Team Manga Show. Bye bye